It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly than this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. Ouais, vas-y, bah du coup, va chez les Lords. Ça fait chier ça que ça se reset à chaque fois. Du coup, je pense que tu sais de quoi ils vont te parler. Hein. Le prix des armes qui est trop élevé, on leur avait dit 10 000. Donc, ah, ils t'ont dit que c'était trop élevé le prix des armes. Ouais, ça leur convient pas. Donc, même si on dit en dessous, on est quand même en bénéf. Pas de descendre au-delà des 7 000, t'as vu, parce que sinon ça sert à rien. De toute façon, on descend pas au-delà des 8-9 000. Hein, je voilà, c'est ça. Putain, j'espère qu'ils ont un gré par contre. Hein. Ouais, j'espère aussi. Là, tu vas pouvoir seulement qu'on sort. Hein. Ouais, les G's, bien ouais, quoi. Ouais, ouais les gars. Vous pouvez rentrer dans le. On va aller dans le club en direct. Vas-y, rentrez dans le. Il y a moyen de se faire taper notre caisse hein, pendant qu'on est dedans. Non, t'inquiète, y'a des gars qui vont rester dehors, je pense. Vas-y, c'est carré. Vas-y, carré. Faut qu'ils ouvrent. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Vous n'arrivez pas à rentrer? Ouais, faut qu'ils ouvrent. Allez-y, ouvert, sur la porte. Vas-y, suivez-moi, les gars. Vas-y, venez. C'est normal, quoi. Ils sont à côté. Asseyez-vous, les gars, tranquille. Comme d'hab, on se permet, hein, on s'assoit, les gars. Ouais. Vas-y, faites. Alors. 7, bien, tranquillement. Ouais, bah on est là, tu connais, hein. Ça fait longtemps. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps, mais vous avez vu Seven entre temps, il m'a dit. Oh, tu connais, moi je gère mes trucs. Ouais, ouais, je me doute. Pas mal de galères. Ouais, du coup, c'est par rapport au tarot des armes, c'est ça? Bah écoute, je sais pas. C'est toi qui voulais qu'on en rediscute un petit peu. Moi je veux juste savoir si tu tiens le même discours que Seven. Parce bah de toute voilà. façon, on en avait parlé avant qu'ils viennent. Mais ouais, grosso modo, vous nous aviez parlé du contact d'armes qui vous intéressait énormément. Donc t'as vu, nous on s'est dit, on va faire un pas vers eux. Comme ça, si ça ouvre sur du business intéressant, c'est carré. Après, vous aviez, je crois, conclu d'un premier accord, tu vois, entre guillemets. Pour qu'il y ait un échange de bons procédés. Parce que nous, derrière, tu vois, on vous donne cette information. Mais ça peut nous porter préjudice si derrière... Tu vois, je sais pas, moi ça se trouve ces armes-là, elles vont se retourner contre moi, tu vois. Donc c'est pour ça que nous, on voulait voir avec vous une sorte de contrepartie pour que tout le monde soit gagnant. T'as capté? Donc vous avez parlé de l'extra, je crois que ça vous intéressait pas. Et voilà, hein. Après vous aviez conclu d'un accord. Je t'explique ce que ton gars Seven nous a dit. Je t'explique ce que ton gars Seven nous a dit. Ton gars Seven, il nous a dit... Soit on vous achète les armes à vous à 10 000 le Glock, ce qui est un tarot assez aberrant. Non, hein, c'est pas ça. Si, c'est ça. Non, mais en gros, c'est ça. Ou soit on vous passe notre labo d'Exta. Mmh. C'est deux options. Soit on vous passe le labo d'Exta et vous nous passez un contact pour les armes, soit on passe par vous pour les armes. En vérité, c'est pas vraiment passé par nous, tu vois, tu passeras par le mec en question. C'est juste que nous, on se prend un petit pourcentage dessus pour. Rentabiliser. C'est pas ce qu'il capté. A dit. C'est pas ce qu'il avait dit. Comment ça? C'est pas ce qu'il a dit. Ouais, c'est pas ce qu'il a dit, mais moi je te le dis, c'est ce qui. En gros, le Glock, il peut te le vendre moins cher. Le problème, c'est que c'est nous qui t'avons filé le contact. Nous derrière, on va pas vous demander du cash, un gros sac de cash tout de suite. Vaut mieux qu'à chaque fois que vous passiez à une commande et que vous achetiez une arme, nous on se prenne un petit pourcentage, tu vois. Et là encore, il reste léger, tu vois, sur vos commandes, concernant les Glock en tout cas. C'est pour ça, si toi, c'est pas dans tes cordes de nous filer ton labo d'Exta, ce que je peux comprendre, nous, on a besoin de... Tu vois, on va pas te filer un contact gratos, t'as capté? C'est normal, bien sûr. Dis-moi, Seth, tu peux me rappeler à combien je te l'ai fait le labo d'huile?
Approximativement, hein. La somme approximative. Je sais pas. Un ordre de grandeur, hein. Tu m'as pas demandé d'argent. Précisément. Précisément. Un montant d'à peu près 0 dollars. Et toi, pour un numéro de téléphone, vous venez, vous osez me demander mon laboratoire d'extasie. Ouais, regarde la différence. C'est culotté quand même. La différence, man, c'est quoi? C'est que des armes. Ça sert à tuer des gens. La weed, je vais tuer personne avec ça, je vais rentabiliser. Avec la weed, tu fais de l'argent et t'achètes des armes. C'est, bien sûr. Ça revient là mais même. En fait, la vérité, après, libre à vous de me croire ou non, le labo de weed, je l'avais déjà. Si je voulais demander à vous, c'était pour savoir s'il y avait des endroits différents où d'autres personnes faisaient pousser de la weed. Moi, ce contact-là, la weed, quand vous me l'avez proposé, ça faisait déjà plusieurs jours que je t'en fais dessus. Moi, je voulais demander juste pour reconfirmer mes doutes, savoir s'il y avait d'autres labos, savoir si c'était le seul endroit où ça faisait pousser, parce que comme tu peux le voir, c'est quasiment dans le quartier des Niners et nous, ça nous pose problème d'aller taffer dans le Bronx. Ouais, bref. Mais nous, c'est pas notre problème, ça prouve notre bonne volonté de l'avoir donné gratuitement. Bien sûr, tu me l'as donné gratuitement, mais ce que je veux dire, c'est que nous, à la base, vous nous avez demandé des sacs de fertilisants. Après, vous les avez trouvés par vous-même, nous, on les avait trouvés, tu vois. Maintenant, moi, ce que je te dis... t'es revenu une semaine après aussi, donc... En fait, je l'avais le jour d'après, mais j'ai croisé un de tes gars au Witch Up, du coup, il m'a dit, c'est rien. Mais en gros, là, ce que je veux dire, c'est qu'un contact d'armes, c'est pas n'importe qui. Là, tu m'as donné un endroit. Moi, je te donne pas un endroit. Je te donne contact avec un des plus grands cartels ou je ne sais quoi. Je sais même pas c'est quoi. C'est des mecs vénères de Liberty. Ça veut dire c'est pas n'importe qui. Si tu fonctionnes avec eux, tu vas pas fonctionner que pour des armes. Tu fonctionneras pour d'autres choses si tu taffes bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que moi, j'ose venir te dire ouais. J'ai besoin d'une contrepartie. Et surtout aussi pour qu'on rentabilise. Parce que tu comprends bien que moi, si je viens te dire, ouais, tiens, je te donne un contact d'armes gratuitement, qui me dit que demain, les armes, elles vont pas se retourner contre moi. Ou que demain, j'ai donné un contact à une personne qui va foutre la merde à droite à gauche, tu vois. Même si je pense pas que c'est votre type, tu comprends bien que j'ai besoin d'une contrepartie. Bah non, en fait. Non, en fait, je comprends pas. Hein. Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas le même avis là-dessus. Et non, je comprends pas c'est cette espèce de manie de merde de vouloir gratter sa pièce surtout pour un simple numéro de téléphone, hein, prendre un pourcentage. C'est pas un simple numéro. C'est pas un simple numéro. Si, c'est clairement un simple numéro. Tu dis que les armes on peut les retourner contre toi, etc. Mais bah, la vérité, je sais c'est pas, que on si... va pas se mentir, hein, c'est juste un prétexte pour maximiser ton bénéf, hein. Bah évidemment, moi je suis là pour faire de l'argent, tu crois que je... Oui, mais pas... dans ce cas, je joue pas la carte de l'hypocrisie en me disant que c'est parce que potentiellement machin, c'est juste que si on a osé te dire qu'on voulait en échange ton labo d'ecstasy, je pense que t'as compris qu'on avait juste la dalle, on veut juste faire de l'argent. Le labo d'ecstasy, tu l'auras pas. Bah j'ai entendu, et à partir d'aujourd'hui, la 8, vous y mettez plus les pieds. Ok, bah ça marche. Bah écoute, si c'était un simple numéro, j'ai envie de te dire, chope-le toi-même, tu vois. Donc j'espère en tout cas... Je l'ai en fait. Bah j'imagine, si tu me dis tout ça, c'est que tu l'as, évidemment. Du coup, écoute, pas de soucis. C'est dommage qu'on ait pas pu faire d'affaires ensemble. Et voilà, hein, chacun va faire son chemin de son côté. À qui la faute. Bah écoute, moi j'essaye de maximiser mon bénéf, forcément. Je donne pas des contacts gratuitement aux gens, tu vois, je suis pas les restos du cœur. Forcément. Ouais, mais des fois, faut savoir se contenter de ce qu'on a, parce que là, t'en demandes trop. Et là, c'est pas les armes qui se retournent contre toi, c'est le business qui se retourne contre toi. Et si t'en demandes trop. Le business se retourne pas contre moi, hein, bien au contraire. Mais tu verras dans les prochains jours, alors. Force à vous de le croire. C'est dommage, c'est dommage. Je dis juste que la 8, tu mets plus les pieds et... Ça marche, mais écoute, ça se passe. C'est entendu, ça marche. Pas de soucis. Eh ben écoutez, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à passer à Northwood et voilà, hein, pas de galère. Pas de galère. Tant que vous ne mettez plus les pieds sur la 8, pas de galère. Ça roule. Vas-y, ben à bientôt alors. Vas-y les gars. Vas-y. Elle est là. Ah, ça prend une seconde les gars, vraiment. Vas-y, venez, on va à la frontière, de toute façon, nique sa mère. S'en bat les couilles. Regarde ce qu'on a acheté, 7. Ah, mais non, mais c'est pas Biko. Ah, bah si, c'est Biko. Ouais, c'est moi. Oh, regarde. J'étais con. Oh, dinguerie. Vas-y, garde-le pour la frontière. On voit, ça peut servir. Bah ouais. Vas-y, venez.
Oh, tu veux quoi? Eh, tu sais quoi, dans 2 minutes, si t'es pas là, je bouge. On est là, on est en train de marcher, ferme ta gueule, arrête de me menacer, je suis pas ton pote, ferme ta gueule. Non, cavale pas, on a pas leur temps. Ça y est, arrêtez de cavaler, on est pas leur salope non plus. Ah, Théma, j'ai fait un truc métallique, titane. Et là, t'as vu, là, y'a pas quelqu'un qui a un deuxième photo. Y'a pas quelqu'un qui a un deuxième truc là pour que je puisse niquer des grammes au cas où? Prends mon marteau. Ça me prend la tête, frère, à chaque fois, t'es obligé de les appeler tous et tout pour qu'ils. C'est quoi cette clé? Numéro 50, ok, entrepôt. T'es un monstre, ton animal, t'es un monstre. Entrepôt, clé Kimble, on va écrire. T'es un monstre. Entrepôt, y'a mes jobbers là, y'a mes jobbers. Après, je viens voir. Ouais. Ouais, bon. Ça dit quoi? Je viens parler de tu sais quoi? Le travail qu'il vient d'avoir. Mm-hmm. Déjà, félicitations, vous venez de tirer sur un petit peu. Oh, ouais. Ouais, écoute, bon, ils sont où tes autres gars? Ils sont là, hein, ils sont là, les autres, je sais pas, ils font quoi? Vous êtes pas que ça, me prends pas pour un con. Ah bah, la tête de Wam, que. Tu fais quoi avec un extincteur, ton gars? Je connais, ça l'a volé, hein, ça l'a volé, c'est. Il fait quoi avec l'extincteur? J'ai capté ce que tu veux faire. Mais arrête de stresser, Malcolm, j'ai rien préparé, ça fait 20 minutes, j'attends les gars ici, je suis. Ne me prends pas pour un con, ça fait 20 minutes qu'on est là, on t'a jamais vu. Vas-y, dis-moi ce que t'as préparé là. Je n'ai rien préparé, Malcolm, arrête de stresser. Je suis pas toujours dans la stratégie. Y'a que toi qui essaie de préparer un truc parce que depuis tout à l'heure, tu m'appelles, tu m'harcèles. Bref. Je sais que vous n'êtes pas que ça non plus, donc essaye pas d'inverser la situation. Voilà, non plus. Donc ça veut dire, ils sont où tes autres gars? Je te dis que je n'ai là mes autres gars, y'en a pas autour. Mais viens voir, monsieur, je t'accueille ici, viens. Viens, regarde ici, il n'y a personne, y'a tout ce que tu veux. Vérifie, moi je m'en les couilles, hein. Je suis pas là pour faire des guet-apens. Dis à tes gars de ranger les extincteurs. Moi, mais tu crois il va te tuer avec un extincteur? On s'en bat les couilles. Mais en fait, je crois que je suis un trou de balle. Hein. Tu crois vraiment que je suis un trou de balle? Oh là 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 là, tu me fatigues. Bref, vas-y, dis-moi de quoi tu veux parler. J'ai pas que ça à faire. Vas-y, les shooters, sortez vos calibres. Hein. Tu joues à ça? Vas-y, dis à tes gars, Ouais, mais tu crois En fait, le truc, c'est que toi, t'as trop fait. Sache-le, on est puissant. On est puissant. Arrête de croire que. Tu sais pas. Eh, vas-y, parle-moi. J'ai pas que ça. J'ai pas de temps à perdre. Allez, range tes écarteurs. Oh, tu me casses les couilles, range tes couilles. Recule et ferme ta petite chatte toi avant que je t'allume. Vas-y. Yo, là, ferme toi. Va de l'autre côté, ferme-la, je m'appelle avec vous. Les gars, venez. Bref. Les deux tours maintenant, elles sont à moi, les deux tours qui sont derrière toi. Et toi, t'es un cramé toi, mais toi, bah, sinon, tu meurs ce soir. Oui, toi, à travers mon chemin et tu meurs ce soir. Eh, écoute-moi bien, Malcolm. Eh, je m'en bats les couilles, tu peux être autant que tu veux, je vais te baiser ta grand-mère la pute, t'as compris ou pas? Alors le terrain de basket me revient. Alors mon terrain de basket me revient. C'est soit les deux tours elles sont à moi là maintenant. Alors s'il me revient pas, basket, mon pote, va pas te revenir. Si tu me laisses pas poser mes conditions, ça part en couille là maintenant tout de suite. Eh, c'est moi qui pose les conditions ici, tu sais très bien que t'es dans une situation bizarre. Y'a pas de situation Je te le dis, t'as voulu te faire passer pour mort. Maintenant si tu me ramènes pas un truc qui va me servir et que tu veux jouer à ton ego de fils de pute, je vais te faire trois jambes. C'est que tu vas arrêter. Là, tu vas arrêter tout de suite de le hacker, de faire le gars, ouais, j'ai des conditions, tout ça. T'as rien sur moi, crois pas que t'as une longueur d'avance sur moi, t'as strictement rien. T'es rien du tout. T'es rien, tu vas rien faire. Ok, bah vas-y, j'ai les gars, on décale. Non, vous allez pas décaler, Je décale comme il faut. Avant, sors du tunnel, je vous allume tous, t'as compris ou pas? Sors du tunnel, je vous allume tous. Tu vas allumer son père. Tu vas allumer personne. Je vais allumer son père, moi. Je vais allumer son père, fils de pute, toi. Tu crois que je t'en pote ou quoi? Eh, dégagez d'ici, Vous croyez que je suis vos amis? Pas ta life, cousin. Dégagez d'ici. On est extincteurs, on les fait reculer. Eh, avancez dans le quartier, je vous allez voir qu'est-ce qu'on va vous faire, bande de trous du cul. Dégagez d'ici, bande de salopes, je vous encule. Vas-y, go bouger. Merci, vous, bande de salopes. Viens les chercher, les tours, si t'en as besoin. Viens. Pleure dans ton coin, là. Fils de salope, va. Je suis merdeux, va. Je te baisse ta mère. Voilà Jackson. Eh poteau, c'est la loi de la cahier mon gars. Ils savent pas, je suis qui, je suis cramé moi, je me vois les couilles. Ah, ils arrivent, quoi. Ça tire. Ça a tiré là? Qu'est-ce que tu racontes? Ça a tiré sur nous, hein. T'es un ouf toi, ça continue. Yo, ils ont cavale. Mais ça tire là? Oui, ça tire, yo, bien sûr, ça tire. Bougez. Wesh, mais pourquoi je t'ai touché, poteau? Attends, mais j'ai pas.
J'ai pas entendu là. Mon poteau, on a tiré 4 coups de feu, qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas entendu. Wouah. Je te jure, je viens de mettre mon masque, j'entends pas sur mes oreilles. Attends, je fais un écran de fumée. Oh les gars, j'ai mais attendez, mais pourquoi ils ont stressé pour des extincteurs? J'ai pas compris. Ils ont cru, il y avait du gaz dedans. Regarde, ils veulent envahir le quartier. On leur met des coups d'extincteur, c'est fini. Eh, tu dis quoi, on est trop chaud, t'as vu les extincteurs sur le coup? Arrête de mentir, t'as rien fait, t'as pris une balle? Mais vous avez entendu ou c'est moi, je suis. Ça va pas parce qu'il est jamais là, du coup, il sait pas qu'on taffe avec truc. Attendez, y'a Malcolm qui m'a. Allo? Et du coup, t'es toujours sûr de pas vouloir me rendre mon terrain de basket? Les autres là. Mais pourtant, tu n'auras pas ton terrain de basket, tu as beau tout me faire. Même me buter, mon terrain de basket il bougera pas. Non, mais je veux pas ton terrain, je veux mon terrain. Ouais, enfin, ton terrain, je dis le mien, mais parce que c'est le mien actuellement. Eh, en gros, je t'explique. Eh, ramène-moi juste un truc intéressant, même si c'est de l'argent, je m'en bats les couilles. Ramène-moi en fait, un truc, tu vas ton terrain de basket. Tu crois trop, tu poses les conditions, tu poses pas les conditions. Ça a toujours été comme ça là. Écoute-moi bien, Malcolm, hier soir j'aurais pu te canner, si tu veux pas que le schéma il serait. Eh, hier soir j'aurais pu te canner toi et tes gars, si tu veux pas que le schéma il se répète et que. Ouais, c'est ça, ouais, toi et mes gars, je te baise. Oui, attends. Tu comprends pas que tant que tu me rends pas mon terrain, en fait, on va vous harceler. Toi, ce que tu comprends pas, c'est que toi et tes gars, déjà hier, j'aurais pu vous tuer, et tout ce que t'as fait hier, je peux en faire parler dans la rue. Donc, soit. Pas des couilles, je prends pas les couilles, fais-en parler dans la rue. Je te baisse ta mère. Fais-en parler dans la rue, tu crois que personne est au courant, tout le monde est au courant, et je m'en bats les couilles. T'inquiète pas que les gens savaient pourquoi je faisais ça. Tu crois que j'ai fait ça pour me planquer de mes problèmes ou pour essayer de t'avoir toi tout seul avec tu sais qui? Essaye de réfléchir un petit peu. Essaye de réfléchir. J'ai pas compris là ce que tu viens de me dire, mais t'as dit quoi? Réfléchis de ce que je viens de te dire. Bah, je prends pas les coups de mettre j'ai pas écouté, pour moi, j'ai problème, pas écouté, je n'ai pas écouté. Gros, j'ai dit. C'est passé pour mort. C'était pour que toi tu viennes voir la Ronda et que je m'occupe de ton cas. Oui, il y a d'autres. Et c'est me fais pas le mastermind ici, tu t'as juste fait ça pour. Bref, t'es foutu. Tes problèmes et t'es une salope. T'es foutu. J'ai pas peur de toi. Tant que tu me rendras pas mon terrain, t'es foutu. D'accord, ça marche. Vas-y, bonne soirée. Continue à faire la guerre. Ouais garçon, bien. Ouais. Descends ta chambre. Ouais, descends. Je te tire dessus, aïe. Je te tire sur quoi, ta grille. Ah non, tu bégayes. Tranquille. Descends là, ça va quoi les boys? Ça va maintenant. Vas-y, foutez-le dans le coffre. J'ai tué faim, j'ai... Foutez-le dans le coffre, tu veux pas que je t'arrache la tête, monte dans le coffre. Rentre dans le coffre, toi. Mais vas-y, mettez-le à l'arrière et prends sa voiture, Seven. T'inquiète, vas-y, viens, on va t'installer, on va te mettre bien. Vas-y, mets-toi. Ouais, bonjour, monsieur, ça va ou quoi? Ouais, ton blaze? Moi les gars, c'est le grand Saka, The Quarter. Vous savez, un artiste. Le grand Saka? Ouais, c'est Saka, The Quarter. Ouais, ça pour là, bien sûr. Juste un Zappo. Mais t'es. Pourquoi tu traînes aux frontières des Rips, toi? Je peux savoir. Ah, parce que je voulais guay, je voulais m'acheter à manger. Comment ça, tu voulais guay? Bah, je voulais m'acheter à manger, quoi. Ok. Et ils t'aiment bien au quartier, non, c'est ça? Bien sûr qu'ils m'aiment bien. C'est tes potos sûrs. Bah, hey, c'est ce qu'on va voir, poteau. Eh, bien sûr, hey, c'est ma pas famille. Ose pas la voir, ose pas la voir. Ok, bah écoute, si c'est la famille, dans ce cas-là, il devrait pas casser les couilles, hein, te concernant. Si on fait sauter ton crâne sous les douilles, ça devrait peut-être les emmerder, non, tu penses pas? Oh, bien sûr, ça m'emmerde aussi beaucoup, ça m'emmerde plein de gens. Vous savez, moi, je bosse avec beaucoup de bonnes personnes. Tu vois, t'as l'air d'être quelqu'un de sympa, j'aimerais pas. Bien sûr que je suis sympa, je bosse avec des canis, ouais, c'est tout, bien sûr que je suis sympa. Et sinon, tu penses quoi du bingo, là? Parce que je vois tes sapologues, mais... Le bingo, il y a tout ce qu'il faut ou ça pue sa mère un peu? Ouais, tu es bien le bingo, pourquoi il sait pas bien? Attends. Tu parles du moto? Allô? Ouais. Allô, on a réussi à se rapprocher suffisamment pour entendre un tout petit peu leur conve. C'était pas eux. Ouais. Et White25, il est sur répondeur. Je sonne et ça raccroche direct. Donc. Ok, parce que nous, on a chopé un gars de leur quartier là, du coup. Dans le doute. Et bah, les mecs que je t'ai dit que c'est peut-être eux, c'était pas eux, c'était les lords avec d'autres mecs qui étaient full cagoulés. Attends, raccroche s'il te plaît. Les gars. Ouais, faites-moi là, pourquoi vous paniquez? Descendez de là. Mais. Gros, c'est bizarre. Pourquoi ils paniquent, les frérots? Pourquoi ils paniquent? Quand ça panique, ça fonce dans les murs, je comprends pas. Ouais, pourquoi ils paniquent? Vas-y, viens. J'ai pas compris pourquoi il a paniqué. Je sais pas. Il pense qu'on allait les péter, genre. Ils vont en haut, vas-y, suivez. Oh, un trou du cul, celui-là. Viens, viens. Mais attends, ils nous emmènent où ils sont, là? Ou c'est moi? Ils sont là-haut. Allez, venez, on va voir. Ils sont là.
Hein? Ouais ouais les gars, bien. Attends, tu vas où Seven? Ciao ciao, recule recule recule. Mais c'est des Niners ça. Mais les Niners. Il faut quoi? Mais non, Mino. Ouais ouais ouais. Bah, la rue, la rue. Ça dit quoi? La Kai Kai. Vas-y, viens voir, viens voir. Vas-y, j'arrive, vas-y, descends, frérot là, Saka mais... ou je sais pas comment tu t'appelles. Bonsoir, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ramenez tout le monde ici, ramenez tous les gars ici. Ouais, ouais, ouais. Ça faisait quoi là? Ça faisait un petit rendez-vous avec tes potos, Trent. Monde de ouf. Oh, doucement, ouais, doucement, ouais, doucement, reste derrière. Reste derrière, reste derrière. Viens là, papy. Appelle-moi quand il va pas. Je sais que t'as envie d'y retourner, mais malheureusement, ça va pas. Reste là, Maïji, reste là, Maïji. Bon, dis-moi, vous avez besoin de quoi? J'ai besoin. Je vais ranger mon gun quand même, on sait jamais ici là. J'ai besoin de ton huile contre ton gars. Attends, mais pourquoi ils sont là, eux, là? Eh, parce qu'ils veulent ton huile aussi. Mino, ton huile. Tu veux mon huile? Et Mino, actuellement, je suis en train d'aller avec du popcorn. Ne m'adresse pas la parole. Ah ouais, mais attends, attends, mais attends, Malcolm, tu crois on est à UGC, là? Tu ramènes des gens ici pour qu'ils regardent? Oh non, non, tu crois, ça se passe pas comme tu crois. Ça se passe pas comme tu penses. Je crois qu'il y a les cops en dessous, je crois qu'il y a les cops en dessous. Faites gaffe, je crois qu'il y a les cops. Tranquille, de toute façon, on parle. Tranquille, y'a rien. Bref, bref. Mon huile. Enfin, non, ton huile contre ton gars. Mon huile contre ton gars, ah ouais. Et la fin de cette guerre, et vous gardez le terrain de basket. La fin de cette guerre, putain, j'ai vachement envie de la continuer, c'est bizarre ça. J'ai vachement envie de tuer ton sapologue aussi, ça m'emmerde. Si j'ai vachement envie de tuer ton jizz. Attends, t'as quel âge toi, moi? Déjà pour le moment, ouais, je suis tout jeune, j'ai 23 ans. Officiellement, t'as 42 ans. Non, non, tu mens. Officiellement, j'ai 23 ans, laissez-moi tranquille. C'est un faux passeport, tu. Officieusement, t'as quel âge? Laissez-moi tranquille, ça vous garde pas. Dis-moi, vas-y, t'inquiète, je vais pas le dire à tout le monde. Je sais pas. Quoi? Je sais pas. J'en sais rien, moi j'ai quel âge officiellement. Je suis dopé. Eh, parle-moi bien, sinon je vais. Meuf. Ton huile. Ouais, il a 23 ans, ce serait dommage que sa vie s'abrège aussi vite. Et ouais, je suis jeune. Ouais, tout five, t'as quel âge? Je sais pas. 23 ans aussi. Écoute, ce serait dommage, Malcolm, que ce serait dommage qu'il y ait un mec de chaque camp qui se fasse sauter la cerveau. C'est ton choix, c'est ton choix. Tu veux mettre fin à cette guerre? Tu veux mettre fin à cette guerre? Tu donnes l'huile. Est-ce que je m'engage à faire cette terre de basket? Je suis peur de toi ou quoi? Je vais pas y mettre fin, je vais te manger comme il faut. Comme au Clocking Bell. Les petites gars, les gars, on va peut-être partir, je pense. Fils de pute, va. Les petites gars, je sais pas c'est quoi le problème entre vous deux. Mais en tout cas, là, vous dérangez un parking. Le parking, il est fermé. Soit vous faites la guerre dans les rues ou dans vos quartiers, soit vous partez. En tout cas, j'ai vraiment pas envie de vous arrêter tous. Donc soit vous montez dans vos véhicules et vous taillez, soit vous restez ici et je vous arrête. Choisissez, vous avez le choix. Vas-y, on va régler ça. Taillez-vous. On va se revoir. Ouais. Vas-y, Saka revient. Putain. Mais il vient pas, White Five. Attends, il est parti où là? J'ai envie de mettre fin à mes jours là, tête de ma mère. Laisse conduire. Mino, va où là? Je suis où? Je crois que je suis en 2012. Vas-y, suis-moi, t'inquiète. Vas-y, hop. Viens chez toi. Je passe au milieu. Tu vas rien faire, je passe au milieu. Ouais. Tapez. Barrage. J'ai envie de déconnecter là, je vous jure. Ce qu'il vient de me faire, c'est. Je vais envoyer Bishop, il va lui mettre un coup de 12. Ah, la tête de ma mère, Saka. La prochaine fois, je le vois, je lui mets un balle tête, ce fils de pute, tu vas voir. Le cœur, c'est qu'il marche normiche. T'es dormi, il a couru vers ces gars. Ah ouais? Oh non! En fait, j'ai même pas fait attention parce que je me suis dit, il va pas le faire, t'as vu? Non, c'est Malcolm, il est venu, il a dit quoi? Il a dit, ouais, Saka, viens avec nous, mec. Arrête, il est parti si tu bâtard. Oh non, ils nous ont fait un plan bus, les Niners. Oh les bâtards. Allez, c'est fini pour toi. Rends-toi. Attends, mais vous me suivez vraiment là? Oh, petite fin d'autoroute. Non, mais tu nous as activé. Tranquille, tu vois, on va au rendez-vous. C'est juste qu'en fait, y'a qu'un seul autoroute, tu vois, ça on peut pas faire contre-sens, c'est compliqué. Ouais, je vois, C'est où? Vraiment, j'ai pris ta idée de toi, toi. Pour te branler les couilles. Mais ils sont tarés! Non, mais. Attends. Je peux pas se lever. Ils sont là. Bah. Voilà ma gueule. Attends, j'ai entendu gueuler. Ils sont là. Je crois qu'on arrive derrière là, non? Bon bah les couilles. Ouais. Oh merde. Yo les gars, garde le flacon ouais. J'ai. Ouais les gars, bien.
Je suis grave pas en train de boire, les gars, au cas où. Oh, je vous parle. Vas-y, tu vas pas. T'as vu ce que je vais faire avec mon couteau? Oh, t'es un fou. Bah, tu flex, hein. On sort pas d'armes, on sait jamais si vous avez encore amené des Niners, Dashblock, des flics, des. Tu vois, des médecins, c'est que tu crois que ce que tu vois, mais il faut regarder. C'est quoi le flacon? Non, c'est juste que Malcolm, t'es pas discret, mes gars. Ils t'avaient vu là où t'étais, ils étaient à côté. Les Niners, ils t'ont trouvé par hasard. Les flics, ils nous ont trouvé par hasard. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que même en faisant une guerre avec toi, je prends plus de risques parce que mon vrai ennemi, c'est les flics. Parce que t'es pas discret, que t'es un trou du cul. Mais bref, continue à taper devant le Clucking Bell et à niquer le business de Tata. Continue. C'est ta tata, c'est pas ma tata, c'est. Je m'en bats les couilles de qui c'est cette dame. Je m'en bats les couilles, quand hier t'étais mort, quand t'étais entre guillemets mort, tu crois, elle était pas en train de pleurer? Eh, c'est terminé maintenant, je m'en bats les couilles. Ouais, bah vas-y, bah tranquille, elle t'a tout donné, mais t'es un petit fils de pute comme d'habitude, dis rien. Bref, on n'est pas là pour parler sentiments, rendez-moi. Vas-y, rendez-lui son gars. Attends avant de lui rendre. C'est bon, alors on va te le donner, frérot. Ouais, bah. Explique-lui ce qui t'est arrivé hier. Ah bah il sait très bien ce qui est arrivé hier, man. Il était là. Ah ouais, ça va, man. Oh, dur les béquilles. Ouais. Nous, ah on ouais, marchande ouais, avec toi. Dur, hein. Con. On est là, on trouve un putain de terrain d'arrangement. Et là, tu t'attends à ce que je te rende ton gars comme ça, directement. Attends, voilà, attends j'ai un contre-argument. Oh, Kingston. C'est pas lui, c'est moi. Ah, il est pas là. C'est moi. Parce qu'il s'est pris une balle, malheureusement. Ah ouais, non, c'est ouais, 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 non, mais sauf que la balle, c'est des Mexicains qui te l'ont mis, tu vois, c'est pas des Afros. Le problème, c'est que, en fait, la balle, c'est pas forcément celui qui tire qui a tort. C'est celui pour laquelle il tirait. Tu vois ce que je veux dire? La raison pour laquelle il tirait, c'était parce que tu sais pas gérer ton quartier, que tu fais n'importe quoi. Et ça, c'est une réalité. Tu veux pas m'écouter. Tu choisis de pas m'écouter. À croire non, que tout ce que je dis, c'est de la merde. Pas t'écouter. Non, c'est juste que je sais exactement si ce qui s'est passé, si j'ai parlé avec lui. Vue. Non, mais t'as parlé avec lui, mais il t'a menti le cerveau. T'as parlé avec lui le premier, forcément que tu le crois. Écoute. Là, je veux juste qu'on mette les choses au clair. Ton gars, on lui a strictement rien fait. Absolument rien fait. Et je veux que ça reste comme celui ça. Derrière ou l'autre. Cette guerre doit se terminer. Le terrain de basket doit nous revenir. Tu sais cette très guerre, bien que c'est que toi qui l'as, c'est que toi qui l'amène. Toujours, c'est mentir. Toi qui l'as déclenché. Tu te fais la guerre, tu te fais la guerre tout seul parce que tu pleures pour un terrain de basket. Moi je te le dis, tu me mais ramènes imagine un truc moi demain. Qui me rapporte de l'argent. Imagine-moi demain, je te dis voilà, terrain de basket, l'endroit où tu traînes le plus, il est à nous. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait ce que tu comprends pas, c'est que ton terrain de basket, je n'en ai rien à foutre. J'y suis carrément, j'y suis même pas. Alors pourquoi tu viens drive-by comme ça? Hein? Je viens drive-by parce que je t'ai dit hier que c'était mon terrain de basket. Tu viens faire le grand avec moi. Exactement. Donc qu'est-ce qui se passe? Là je tue ton gars et je vous bute tous. Bah écoute, si tu veux buter tout le monde, fais ce que tu veux. Maintenant moi, on a entre nos mains un truc qui peut te rapporter de l'argent, à savoir de l'huile. Mais là je peux le choisir comme ça, je m'en bats les couilles. Et me rembarrer avec ton gars et aller le buter. Fais ce que tu veux, tu crois que je suis venu comme ça, aller les mains dans les poches, poteau. Eh, tant de quoi que ce soit, tu sais très bien que ça va se passer comme d'habitude. Malcolm, t'as trop tendance à croire que le nombre fait la force. Malheureusement, Malcolm, dans la rue, ça marche pas comme ça. T'as beau essayer de reprendre mes deux tours, faire ce que tu veux, me faire le malin avec ton couteau, mais je te baisse ta mère tous les jours. Tu veux me donner des leçons de rue, voilà. Oh la rue, eh, mais t'es vraiment un petit sale bandeur, toi. Tu donnes des leçons de rue parce que tu sais pas gérer ton quartier, que tu te fais drive-by là où y'a ta daronne qui travaille. Et toi, tu t'es pas fait drive-by là y'a un instant? Non. Ah, c'est bizarre, on avait entendu des coups de feu. Mais bref, je suis pas fait drive-by. Moi, mon gars, personne m'a drive-by ici parce que je sais gérer mes embrouilles. Moi qui ne sais pas gérer mon quartier, viens reprendre ton quartier. Dans le plus grand des calmes. Donc pose-toi les bonnes questions. T'as repris. Ah, t'as. Ah, les gars, il a repris mon quartier. Si je veux, j'étais si pas je veux, ah, bah, pardon. Ah, il a repris, merde. Ah, merde, bah, on va devoir déménager malheureusement. Bah, je pense qu'on va vite d'ailleurs aller devoir déménager. Si ça vous dérange pas trop. Je vais voir chez vous. Si ça vous dérange pas trop, on va dormir dans les bus derrière là-bas. C'est un peu sûr. Non, mais vous allez dormir ailleurs. Je m'en bats les couilles. Je sais pas, je te baisse. Ah, désolé, excuse-nous, Malcolm. Alors, pardon. On va aller dormir ailleurs, y'a pas de soucis. Je fais quoi là? C'est quoi là? Malcolm, je te l'ai dit, si tu veux les tours, viens les chercher. T'es pas venu les chercher maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu crois que je me tourne les pouces? Déjà. Attendez, je mets ça pour appelle un Niner Stevie de venir ici là. Déjà de venir ici. Vas-y, je fais ça maintenant, Audi. On va juste mettre quelque comme chose ça, au clair. Comme ça, j'entendrai un peu moins sa merde. Wouah, il m'a clashé. Bref, c'est quoi le projet là? Mon gars, on peut le récupérer avant que les Niners fassent quoi que ce soit. T'es espoir, Niners, ils vont rien vous faire. Heureusement qu'ils vont rien vous faire. Je vais t'expliquer maintenant sur le rendez-vous. Parce que si tu m'as baisé sur l'huile, tu m'as pas baisé moi, je m'en bats les couilles de la route. Tu vas à la pointe de Grand-Mère Road. Je te dis, moi, je suis sur les organes. Ah, t'es missionné par les Niners. Oh là.
Non, si tu vas pas, tu vas pas t'as voulu courir la prochaine fois, tu parles, t'as la boca, toi, ta bouche, toi, laisse Léo parler, toi. T'as voulu courir, Saka, les prochaines jambes que t'auras, elles seront dans du plâtre. Sache-le. Au moins, tes jambes, elles serviront. T'as très bien compris ce que j'ai dit. Ouais, vas-y, mais on va attendre les Niners. Donc là, tu m'assures, explique-moi le mode d'emploi avec cette huile. Comment ça, le mode d'emploi? Tu croyais une notice? L'huile, tu fais de la weed ou tu fais pas de la weed? Je fais pas de la weed, justement, c'est pour ça que je te demande. D'accord, donc tu es missionné par les Niners? Non, je ne suis pas missionné par les Niners. Mmh. Et en gros, la méthode, c'est simple, c'est quand tu fais sécher la bœuf, tu prends un pinceau et tu mets de l'huile dessus. Tu la badigeonnes, quand elle va sécher, il y aura de l'huile dessus et elle sera plus forte, tout simplement. T'as capté? Ok. Parce que cette huile ne va pas me revenir à moi. C'est que moi, comme je t'ai dit, je m'en bats les couilles. Vous avez quoi là? Pourquoi vous êtes tous sur votre tel? On s'en bat les couilles de ses arguments. C'est des enfants, il a 19 ans, il est récemment sur Instagram. Il met tellement bas les couilles de ses arguments. Mais toi tu fais. Ok, Jam, m'oblige pas à dire tout ce qu'on s'est dit toi et moi dans des ruelles. Hein vous êtes du quoi? T'as rien dit de gros, tu veux balancer, vas-y, tu crois mon Dieu pas au courant. Pourquoi je fais des trucs dans mon crédit, t'es malade ou quoi? Moi je préfère que ça reste comme ça entre nous, toi et moi, qu'on se parle, que tranquille. Plutôt que je balance ça devant tout le monde, ce sera un bon. Oji, coupe le pas, il veut mettre un coup de pression, on parle maintenant, tu veux balancer. Eh mon Oji, tu craches des trucs moi. T'as malade toi. Vas-y. Vas-y, allez, balance pas à la fois. Il m'a craché. Vas-y, ils peuvent se bouger le cul ou pas les Niners. C'est pas que ça en fin de ma soirée, j'ai d'autres gens. Et vous faire foutre. Ouais, t'as d'autres gens, mais attends. Appelle-moi frère, s'il te plaît. C'est, tu vois, ce qui me choque le plus, Malcolm, c'est de me dire qu'il y a autant de cerveau là derrière toi et que vous arrivez toujours à être aussi con. C'est une dinguerie. Putain. C'est bon, c'est carré. Ouah, la French Shy de bâtard. Tu te rends compte que les Niners et que toi. Mais que tu sais pas, t'inquiète pas, tu sais pas pourquoi. Tu vois là où j'étais au parking, tu vois, où je suis arrivé au parking. La tête de homme, je vous ai trouvé par hasard. La vie de ma mère, juste parce que vous êtes pas discret, je vous ai trouvé par hasard. Les flics, ils vous ont trouvé par hasard. Mes autres gars, ils vous ont trouvé par hasard. Les Niners, ton gars, je l'ai chopé par hasard. Bah ouais. Et ton gars, je l'ai chopé par hasard. Et ta Will, je vais la choper par hasard. Et tes blocs, je vais les choper par hasard. Et ta Daron, je vais la buter par hasard. La Daron qui travaille où? Ouais. Ah, je la chopperai par hasard. Mais c'était pas ça, c'était pas sa mère. J'ai bien m'en occuper. Attends, on va manger. Je l'égorge, moi, ta Daron. Comment? J'ai encore la dalle, là. Trop mal. C'est Minter, c'est Minter. Chaffard, Y25. C'est un cannibale. Ah. Y25, ouais. On a le sang froid par ici, sang froid, gosse. Bon, vas-y, viens donc pas, là. Ils arrivent après, ils arrivent dans le quartier de merde, trafic, les poubelles, tout ça, je sais pas, yo. Je le rappelle, j'ai mis un coup de pression. On a pas compris. Tu vois, tu te fous de sa gueule, mais parce que vous comprenez pas le langage de la blagueur. C'est pas grave, de toute façon, je parle pas avec toi, c'est bon, le slops. Ouais, t'arrives ou c'est comment? Ouais, je suis en chemin. Vas-y, dépêche, parce qu'il y a les mecs que t'as missionné là, ici, ils commencent à stresser. Et on vous attend là. Ça passe un beaucoup, hein. Oh, poto, je savais pas c'était tes chaînes comme ça, pourquoi tu me l'as pas dit? Bah en fait y'a pas que, tu sais, à part toi et encore, hein, ça dépend des jours, tout le monde est comme ça, hein. C'est pour ça Northwood, c'est pour ça Northwood vous venez comme si c'était chez vos darons, je viens de comprendre. Enfin, calme-toi quand même, hein, Mino, parce que si je commence à... Si tout le petit qui m'a mal parlé chez toi là, il sait pas ce qu'il a à dire quand j'arrive, t'inquiète pas que tu vas être pire que les Crips, hein. C'est juste que toi t'as toujours su parler, tu vois. Ça se passera jamais pareil, ça se passera jamais pareil. J'ai pas mal col. La différence c'est que les Rips, tu vois, ils ont fait les fous dès le début avec moi. Moi je te le dis, hein. Bref, ouais, vas-y, je vous attends, on va parler face à face. Vas-y. Oh, c'est incroyable d'être un grand dog. Oh, vas-y, Clayton, va sentir l'huile là vite fait. Je comprends mieux le. Oh, toi, poto, tu toucheras pas lui tant qu'on a pas notre gars, sache-le. Non, il va la sentir. Je comprends mieux pourquoi ça s'appelle Vespucci Circus en fait, je viens de comprendre ça, grand-mère. C'est un cirque. Un cirque, ouais. Tu te rappelles ce que tu nous avais reproché hier? Ouais, dis-moi. Bah, non. Tu te rappelles ce que t'as fait tout à l'heure? De quoi? Tu te rappelles quand tu nous avais dit pourquoi vous avez tiré devant le Cooking Bell, ça a fait des blessés. Mm-hmm. Et tu te rappelles ce que t'as fait tout à l'heure? Ouais, j'ai tiré devant le Cooking Bell, ouais. Et donc?
Après, quand moi, la différence, c'est que c'est Meter, tu vois. En vrai, je m'en bats les couilles. Ah, voilà, tu reproches des choses à des gens. Ah, voilà. Tu vois, ça c'est moi, je te donne des c'est consignes. C'est ce que je dis, t'es complètement con. Ouais, t'as 19 ans, vas-y, je te parle. En gros, je te le dis, moi, je te donne des consignes à toi, mais ça s'applique pas à moi. Tu crois quoi? Je suis le roi de la ville, poteau. Ok, mais c'est bon, là. C'est bon, là. Ah, il y a les... tout en après, la vérité c'est pas, c'est pas, c'est pas que le problème que vous tirez devant Kukimel, c'est que mon gars a pris une balle à cause de vous. Parce qu'il voulait tirer sur les couilles, de toute façon. Ouais, il y a le taron, mais de toute façon, c'est quoi cette histoire? T'as pas le coup d'être vengé face à toi, c'est ton problème. Bien fait, ton gars. Vas-y, viens, on prend un peu d'espace parce que là, on va tous être collés. Ok, ok, le mec a fait croire à toi. Tu veux pas être collé avec nous, Malcolm? Tu connais, tu repères. Recule, Malcolm, y'a papa. Genre en mode, on fait un triangle. Y'a le père que t'as jamais eu ici là. Mino, ferme ta bouche, demain je m'énerve. Ferme-la toi, lâche mes couilles. Bref, ferme-la. Ouais, Malcolm. Tu sais ce qu'on s'était dit? Non, c'était dit des trucs, ouais. Je tiens ma roll pas, il a l'huile entre les mains. Maintenant, Seth, tu m'assures que cette huile, c'est la fameuse huile. Ouais, vas-y, dis-moi que tu me l'affirmes. Bah ouais, hein. C'est l'huile, il l'a entre ses mains, par contre, je t'ai dit que je te donnerais pas la recette et on vous l'échangera contre de l'oseille. Ouais, moi je veux juste l'échantillon, moi je m'en bats les couilles de la recette. Eh ben rends mon gars et t'auras. Après, si je veux la recette, on en parlera sur un autre intérêt, t'as vu? Rends-moi mon gars, t'auras ton flacon. Ah bah, moi je veux sentir l'huile, je veux sentir l'huile. Tu sentiras pas l'huile tant que j'ai pas mon gars. Mais alors, ça veut dire qu'à tout moment, l'huile c'est de la pisse. Ah, Malcolm a raison, je sais pas ce que vous en pensez, les mecs. Ouais, carrément. Levez les mains si vous êtes d'accord avec Malcolm. Ouais. Ok, bah écoute, t'auras pas lu tant que j'ai pas mon gars, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein, qui va niquer 7? Qui va niquer 7 ici? Ouais. Attendez, excusez-moi, on a des backers là, sur le côté. Ouais, en gros, moi qui me dis que je vais te faire sentir l'huile, que tu vas me la prendre de mes mains et que tu vas pas me garder. Tu vas pas mais me prendre est-ce que je suis pas une pute? Putain, ton cas, moi non plus, je suis pas une pute. Je tiens toujours ma parole. Ça marche dans les deux sens, frérot. Et qu'est-ce qui me prouve qu'une fois que tu m'auras pas donné l'huile, tu vas te barrer et voilà, et ce sera de la pisse. Ah, c'est pour mal. C'est vrai que c'est... j'ai souvent fait ça. Mais c'est qui s'est fait croire mort hier, frérot? C'est qui a attaqué par derrière? Je t'ai déjà expliqué pourquoi j'ai fait ça. C'est qui a attaqué par derrière, espèce de salope, va. Ouais, d'accord. Là, en tout cas, la salope hier, la salope tout à l'heure, il a levé un gun en l'air, vous avez tous reculé. La salope hier, elle a tiré dans ton quartier, vous avez tous couru aussi. Arrête de vouloir faire le bandit, arrête de vouloir essayer d'impressionner le Niner. Arrête de vouloir essayer d'impressionner les Niners, là tu fais le clown, je sais pas. Poto, en fait, différence, moi Trent n'est pas mon daron. Deux ambiances, je m'en bats les couilles, je le bats les couilles. C'est le daron à qui il prête, c'est le daron à son père. Arrête d'essayer d'accuser les Niners. Vas-y les gars, ça y est, commencez pas. Eh, là on est là pour parler map et ça, on est là pour parler. Apparemment, c'est ton daron, tu fais des missions pour lui. T'as missionné. C'est pas une mission, le truc, c'est que tu peux pas comprendre. Donc arrête de poser des questions. Arrête de faire des. C'est un échange de bons procédés, peut-être. Arrête de faire des suppositions, me casse pas les couilles avec ça. Maintenant, moi je veux sentir lui. Ah là là, vas-y, bah ça marche. Bah écoute, moi de toute façon, on va pas tourner 30 ans autour du pot, t'as beau me dire ce que tu veux. Ok, attends, je suis prêt à faire un pas vers toi. Regarde, ouais. Je suis prêt à faire un pas vers toi. J'avance. Tête de bite. Oh là là, il fait un pas et je tends mon bras et ensuite je donne lui. Voilà, et ça voilà, y est, voilà. Parce que tu vas me baiser la gueule. Moi, je sais que tu vas me baiser la gueule. J'en suis persuadé. Oh là là, je te jure, j'ai envie de me barrer. Je sais pas quoi faire. Ah, tu vas nulle part tant que j'ai pas mon huile, je te le dis. C'est trop une dinguerie. Ouais, bah, vas-y, ouais. Mon gars il va revenir. Tu vas prendre ton huile et tu vas pas me casser les couilles. Tu crois en mode mon gars il va revenir, il va mettre l'huile dans sa fosse. On est où? Ça, t'es vicieux. Apparemment, vous êtes deux là devant moi à vouloir l'huile et à vouloir me baiser la gueule. Attends, je vais parler parce que depuis tout à l'heure, nous on est là, on passe pour des mecs, des spectateurs. J'ai un deal avec Malcolm et j'ai un truc à régler avec toi. C'est pour ça que je suis là. Malcolm est en train de régler son deal, pas de problème. Commence pas par contre à dire que je suis son daron ou je sais pas quoi, parce que tu vas commencer à m'énerver et ça partira en autre truc, t'as vu? La différence, Trent, c'est que tu missionnes des petites salopes qui ont peur de toi. Déjà de 1, j'ai missionné personne, d'accord? De 2, si c'est une salope ou pas, tu vois ça avec lui, moi j'ai rien à voir avec lui, il est bien assez grand pour se défendre tout seul. Et continue avec mes couilles, je vais t'écraser comme j'ai écrasé n'importe qui ici. Viens la chercher, moi je t'attends, pourquoi tu veux... Tu veux que ça parte en couille maintenant? 7, 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 Tant que tu nous rendes pas notre gars, on vous. Eh, je t'ai dit, je veux sentir. À tout moment, tu m'as baisé. Tu sentiras à tout moment, c'est de l'ammoniaque. Je vais rester ici toute la nuit s'il faut. Tu sentiras pas tant que j'ai pas mon gars. Mais je dois couper la bite à ton gars, je dois faire quoi? Eh, Seth, moi je comprends pas. C'est nous, je comprends pas. Eh, Seth, là, c'est de l'huile que tu veux. T'as de l'huile, ton gars, tu donnes ton huile, ton gars, tu le récupères. C'est quoi? Il y a quoi compliqué? Bah, ouais, à tout moment, son huile, c'est de la baise.
attends. La vie d'un homme, putain, dans ton putain de flocon. Ah, c'est ça en fait, Seth. Tu joues avec le fils depuis le début. Mais donc, ça veut dire que si c'est de la baise, Malcolm, tu nous as baisé aussi en fait. Oh là 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 là. Moi, c'est pour ça, je veux être persuadé. Je veux être persuadé. Parce que moi, quand je fais un boulot, je le fais bien. Ouais, mais donc, ça veut dire que là maintenant, si tu t'es fait baiser, nous on fait comment? Ouais, bon, ça, on verra avec ça, ça, on verra après. Ouais, on verra après, on verra après si je me fais baiser, mais je me fais pas baiser. L'huile. Je te demande pas la recette, je te demande juste de me donner l'échantillon, je le sens. Domino, il est sous pression là. La 7, Regarde, je vais te dire un truc. Poto, tu vas prendre ton huile, tu vas aller baiser ta mère, sucer la bite de Trent et je te laisse 24 heures. Attends, mais lâche ma bite, lâche-la, putain. Oh, je t'ai pas parlé. Mais laisse-moi parler avant que je pète un plomb. Eh hey Malcolm, je te laisse même pas 24 heures, t'as compris ou pas? T'as 24 heures de survie, compte bien tes jours, dis au revoir à tes proches, petite salope. T'as capté? Oh là là. Vas-y, bah force à toi. Vas-y, Seven, va chercher lui. Tranquille, on verra. D'accord, je vous ai pas demandé de faire les bacs, fermez-la. Seven, va chercher lui, s'il te plaît, dans la boîte à gants. Culotté. Je suis cul là, Seven. Ferme ta gueule, toi. Et ton gang de champion d'athlétisme, t'inquiète pas que ton pote, le sapologue derrière, je vais lui faire un film. Oui, on a compris. Je vais lui faire un film de cul. Oui, oui, on a compris. Je te répète, là, Seth. Ferme-la, on va vous emmenager des studios à Chinatown. Qui, je la file? Fille là, bah Malcolm. Enfin, sans. Vas-y, César, sans. Tiens. Ça y est, prends-la, ma gueule. Oh, c'est bien chaud. Ouais. T'es convaincu, César? Ouais, c'est bon. Tiens. C'est sûr. Vas-y, donne-lui. Je lui donne, c'est bon? Ouais, vas-y, donne-lui. Vas-y, donne. Non, lui donne pas. Garde, ah, bah, je la donne pas. T'as senti, maintenant tu me donnes mon gars, tu prends l'huile et tu vas baiser ta mère à ton côté. Vas-y. Tu vas laisser les grands. Vas-y, file-lui. Vas-y, envoie l'huile. Tiens, César, c'est bon, t'as ton huile. C'est bon. C'est carré, t'es un bon. Bon, c'est quoi la suite? Ah, c'est entre vous, hein, les gars. Nous, on veut juste récupérer notre huile. Moi, j'ai un adjure aux Niners, aux Crips. Personnellement, moi j'ai un truc à te dire personnellement. Mais ouais. Vas-y. Bon chien, t'es un bon. Arrête, je te baise. Attends, juste Tren, petite question. Toi aussi, t'es dans ce business bizarre là dans lequel il est. De quoi tu me parles? Sois plus clair. Parce que business bizarre, c'est pas très clair. Dans les orgas. Alors, vu que ça c'est pas clair. C'est ça. Ouais. Aussi t'es QLF. Dans les organes. Commencez pas les manifestes. Ce qu'il veut, c'est pas notre problème. S'il veut aller vendre des organes, il vend des organes, c'est pas mon dos. Attends, ça veut dire que déjà il a pas de rein là? Merci. Il a pas grand chose en plus de pas avoir de carisme. Ils prennent des organes, poteau. Dommage. C'est ça peut arriver. Bref, dis-moi, Trent, je t'écoute. Oh, bah. Après, les RIP, si vous voulez rester, vous pouvez, hein. Mais c'est pas que ça vous concerne plus du tout, là. Donc, si vous avez autre chose à faire, libre à vous. Hein, oh, si vas-y, vous voulez... tranquille. Ok. Vas-y, apprenez, les petits frères. Ils ont rien à faire à part admirer le Bronx, hein. Ferme-la, toi, espèce d'enfoiré. T'es en train de me monter en pression. C'est qui le petit enfoiré qui m'a mal parlé tout à l'heure? Ouais, c'est lequel, là? C'est lequel? Viens devant, là, viens porter tes couilles maintenant. T'étais dans un bon endroit à gauche. Vas-y, bah, viens. C'est quoi ton blaze à toi? Ouais, moi, c'est Doughboy. Okay, c'est toi qui as ouvert ta gueule tout à l'heure. Tout à l'heure là, tu m'as écrasé, tu rigolais bien devant ton hood. C'est bien toi. On se barre pas. Comment ça, il t'a écrasé? Eh, il est là, il rigolait, je sais pas quoi. Allez, bah, tout le monde, tu m'as bloqué, j'ai dégagé. Ouais, donc tu m'as écrasé. Vas-y les blues. Tu m'as dit quoi? Eh, tu m'as clairement écrasé, tu m'as clairement. Tu m'as fait tomber, j'ai clairement les nerfs. Donc maintenant, on fait comment, espèce de petit enfoiré? Toi, tu te permets d'écraser un OG comme ça là, alors que t'étais comme ça, c'est comment? Tu parles de moi, c'est très bien qu'il a pas fait exprès. Il a clairement fait exprès, il a continué à se foutre de ma gueule après. S'il avait fait exprès, il aurait gardé ton crâne sous la roue, il aurait drifté dessus. Ah mon gars, si je le rétro, il t'a touché. Ah, laissez passer. Attends, on va pas faire de la simulation là, on est en Ligue 1 ou c'est comment? Attends, en Ligue quoi? On est en NBA, on est où là? Oui, d'accord, j'ai pas compris au début. Ouais, non, mais tu te fous de ma gueule en fait, ça se passe comme ça. Donc il manque de respect, il se fout de ma gueule et après il me dit, j'ai pas fait exprès. C'est ça en fait? Ah, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh ben, tu manques de respect, les erreurs se payent, les erreurs se payent. Tu veux que je te dise quoi? Tu crois que tes gars là depuis tout à l'heure qui font les bugs, tes gars qui. Il y en a qui t'a manqué de respect ici? Qui a parlé mal de ma mère? Tous les jours, il y a des mecs qui manquent de respect. Écoute-moi bien, donne-moi un nom d'un putain de Niners. Je connais même pas les noms. Eh ben écoute, ça c'est ton problème, mais je peux t'assurer que le jour où il y a un Niners,
j'apprends qu'il a manqué de respect en OG sans mon accord, sans que je l'ai missionné pour. Tac, demande-leur. Cush, cush. Poto, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Moi, je suis pas dans ça, je suis pas là à pleurer pour des broutilles. Ouais. C'est des histoires de merde, c'est des paroles, tu sais très bien. Pas de manque de respect. Nous, on est old school, on est pas comme toi. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec moi. Moi, un de tes gars qui manque de respect, je le lève, c'est pareil. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que c'est que des paroles. Parle pas de mon père, je t'ai dit. Mais je te parle pas, je te parle de ton père parce que ton père, il fonctionnait comme ça. Donc, on commence pas à faire genre le mec. Tu blases dans ta bouche, t'as compris. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Tu crois que tu vas faire quoi? C'est quoi le problème? Eh, hey, c'est que des paroles, arrête de me faire le je sais pas quoi. Il y a déjà des gars à toi, ils m'ont couru dessus à la hache, alors arrête de vouloir. Alors, évidemment, tu les avais chelassés juste avant, forcément, ils défendent. Je n'ai jamais chelassé qui que ce soit. Ah, Young, t'es là? Dans ma vie, j'ai jamais chelassé qui que ce soit. Non. Il nous a pas chelassé, hein, mais il y avait un coup de pied de biche. En vrai, c'est pas très loin du même principe. Oui, hein. Oui, tu le tapes avec un pied de biche. Et en plus, dans le dos pendant qu'on était en train de partir. C'est bien, t'as les informations. Il faut utiliser son cerveau. D'accord, mais du coup, derrière, quand ils se défendent, vient pas dire qu'ils te manquent de respect, ils sont un peu intelligents. Ouais, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que les manques de respect, poto, quand ça reste des paroles, pourquoi pas? Tu lui niques sa mère, tu fais ce que tu veux, là, tu lui mets un coup de pression, tu fais ce que tu veux, moi, je m'en bats les couilles. Moi, je lui ai déjà dit, je l'aurais déjà dit un bon nombre de fois de pas manquer de respect. Maintenant, quand c'est des actes, c'est différent. Donc là, il t'a touché avec son rétro, à croire c'est une dinguerie. Non, je parle pas de ça. Tu vas partir dans des bails bizarres pour de la merde. T'as très bien compris, il a très bien compris aussi. Il a été très arrogant, il a fait le malin. Écoute, Dubois, je vais laisser couler pour cette fois-ci. On va dire que ton OG te sort de la merde. Eh, moi, c'est Trent. À côté ta Triga et à droite ta Curti. Manque de respect à un dégradé des Niners, t'es prêt à déclarer une guerre derrière. C'est bon ou pas pour toi? Ouais, c'est attends, bon. C'est qui Curti et... déjà? C'est avec le bonnet là à gauche? À gauche? Ouais, c'est moi mon gars. Ok, ouais. Ok. Parce que et évidemment, les man derrière moi, bande de petits enfoirés là. Même si c'est un minot de merde, le seul qui a apte à lui manquer de respect ici, c'est moi, Triga ou Curti. Commencez pas à manquer de respect pour rien. Ouais, bon mais vous avez, vas-y, vous avez plus de chances de me manquer de respect. Moi, je suis tout seul contre toi, ça casse les couilles. Écoute, ça c'est ton problème, t'avais qu'à gérer ton équipe. Ok, tu veux pas qu'on whitelist des mecs dans ton lexique hein d'insultes ou pas? Genre on les autorise à t'insulter. Mais en gros, vous êtes trois à pouvoir m'insulter, moi je suis tout seul. Venez, on les autorise. Ah, mais attends, là, dépasse pas loin là. Ok, pardon, j'arrive. Rentre dans le cercle, Seven. Seven, on accepte. Ah, moi y'a Seven, c'est bon, y'a Seven. Moi je suis là, les gars, je suis là. Seven, on l'a fait. Let's go. C'est ce que c'est des contre-gens. Ouais, les crips, ils m'ont énervé, bon, j'étais obligé d'abuser. J'ai lu le règlement, moi, mais moi, je suis là. Oh là là. C'était la phrase des trois. Oh, ils abusent. Ah, j'ai pas entendu ce flop. Bref, mine de rien, pour revenir dans. Ouais, lui, c'est des trucs sérieux. Parce que je la sens, là, elle sent bizarre, ça a mis quoi dedans? Tu connais, c'est des petites secrètes, petites huile secrète, t'inquiète pas. Recette secrète. Bref. Pas bon, on est dans... Ouais, et du coup, attends, parce que non, ça m'intéresse vraiment. Tu prends un pinceau, tu la badigeonnes sur ta weed qui sèche. Ouais. Ça sèche ouais avec. Et du coup, ça fait quoi de plus intéressant? Vas-y, dis-moi tout. Poto, la weed elle est plus forte, et t'inquiète pas que tes clients ils vont revenir bien vite et l'acheter plus cher. Les gens ils vont s'arracher les cheveux. Donc tu m'assures qu'elle est vendue plus cher du coup maintenant? Ouais, alors un petit côté rouge. Après, je te mens pas, là, t'as qu'un flacon, hein, tu vas pas pouvoir en faire grand chose. Mais si t'en veux. Oui, j'aurais juste à te pull-up. Tu sais qui a appelé, tu vois. Papa te donne. Papa non, mais. Ouais, oui, d'accord. Ok, tu veux pas d'autre chose? Ouais, je veux savoir, c'est quoi ce bordel là? C'est quoi ce bordel avec les rips? Comment ça? Je comprends pas la question. Ça part de quoi? Ça part de quoi? Dans quel monde ils sont venus nous taper pour vous? Alors, ils. Alors. C'est nos petits? Vraiment là ou un peu ah c'est chaud hein. En fait c'est plus chaud que je ne croyais. On va arrêter de gonfler les pecs pour rien, c'est pas une histoire de petit. Je dirais plus, tu vois, en étant le plus objectif possible, c'est juste qu'ils savent que si ils font pas ce qu'ils vont se faire foudroyer. Voilà, c'est tout. Vas-y, arrêtez de me prendre toujours à grêle, je vais baiser vos mères. Écoute-moi. Est-ce que c'est un échange de bons procédés? Toi, tu lui as demandé un truc en échange d'un truc? Ou c'est juste, tu le tapes pas et il fait ça? Il est fou ce mec. Ouais, du coup, tu disais. Mais du coup. Donc attends, deux possibilités. Soit c'est un échange de bons procédés, il t'a échangé ça contre un autre truc que toi tu lui donnes. Soit ouais, tu le tapes pas et il fait ça.
Trigger, on lui dit la vérité, Cartier, on lui dit la vérité, on le laisse dans sa merde, on fait quoi? Non, franchement, j'aime bien, là, il est en train de réfléchir, cogiter, laisse-le. Ouais, réfléchis à ce que. Et réfléchis. Toi, tu cogites réfléchis. Au fait que t'as un col roulé sous ta North Face, sale bâtard, va. Les vêtements, pas cogiter quand t'as volé les baskets et qu'il y avait l'antivol dans le Moi, j'ai une balle dans l'épaule, là, tu cogites. J'ai une balle dans l'épaule. Jamais chez lui. Ah, c'est pour ça que tu me dirais que je t'ai fait briser le cul. Tu veux même pas parler toi. Ah, il est cambré. Bref. Ouais, bon, j'imagine connaître la réponse, mais alors là. C'est bon d'aller en parler avec Malcolm. C'est au-delà de mes espérances. T'as droit à deux chances pour trouver ce que c'est. Si tu trouves, on dit la vérité, c'est bon. Deux chances. Non, mais je sais très bien c'est quoi. Je sais que vous leur avez dit que vous arrêtiez de les taper et qu'en échange, ils faisaient ça. C'est pas tout à fait ça. Il est fort. Ou alors c'est une trêve à durée déterminée en échange d'un service. Pas de trêve, ça sache-le. Si demain je veux les baiser, je les baise demain. Ouais, mais tu les baises, mais ce que je veux dire, c'est que t'as passé un accord avec eux pour qu'ils fassent ça en échange d'un service. Je passe pas d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Seven? 7-7, moi je veux dire. C'est pire que ce que tu penses, c'est pire que ce que tu penses. Ton huile, si fonctionne pas. Non, mais pitié, dites-moi, je peux pas partir d'ici, j'ai des papillons dans le ventre. C'est pire que ce que tu penses. Mais si ton huile fonctionne pas, les clips, on les soulève, hein, je te le dis direct. Hein. Ouais, en plus, ils ont pris tout ça pour rien. Ah merde, pour ça eux. Putain, je pensais que vous avez donné de l'eau. Sauf que si jamais ça marche pas, pas de poulet possible, parce que tu nous donnes la bonne recette. Ah ouais, c'est chiant. Ok, bon bah vas-y, on verra bien. Non mais vas-y, dis-moi la vérité, je suis hype. Moi, je pense que c'est pire que tout ce que tu peux imaginer, c'est tout. Dis-toi, y a pas d'accord, je ne passe pas d'alliance avec ces enfoirés. On refuse totalement, y'a pas d'alliance. Donc s'il y a pas d'alliance, ça veut dire qu'il y a pas de contrat, y a pas de procédé. Tu vois l'idée? Maintenant, libre à toi de savoir ce qu'il va te raconter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'il va te dire. Parce que tu vois, le problème, c'est que tout ce qu'il m'a dit, c'est que je peux rien y comprendre, c'est une longue histoire, que c'est un échange de bons procédés. Ah ouais. C'est ce que je sais. Allez, moi, je vous laisse le plaisir de le dire ou pas. Je comprends pas comment ils peuvent être aussi nombreux et aussi cons. Genre, j'ai pas compris. Parce que là. Les clips, ils ont toujours été comme ça. Ça date pas d'aujourd'hui. Mais ça n'a rien à voir le nombre. Nous aussi, on a du monde qui est pas là. T'as un dossier sur eux, c'est ça? Hein? J'ai rien. Un dossier sur eux. Mais en fait, tu comprends pas. Écoute, tu te prends la tête pour rien. C'est juste qu'en fait. J'ai rien d'autre à dire. Ah frérot, ils ont baisé tout. Arrête de faire des cheese. Arrête de nous cheeser. Maintenant, t'as parlé, vas-y, parle. C'est des jobbers en fait. C'est des jobbers. En vrai, c'est une histoire si on te la raconte, tu vois. Tu as mal le vif. Non mais je veux juste savoir pour ma conscience personnelle. C'est même pas t'as vu, c'est bon, même pas okay. L'humain est curieux, qu'est-ce que okay, je dis okay. Voilà. En gros, ça remonte, c'est un peu long hein. Mais en gros, on a le temps. En gros, il se trouve que ces mecs là, tu vois, contrairement à toi, on les connaît un peu moins bien. C'est nos ennemis, on les connaît moins bien. Donc ils savaient pas trop à qui ils avaient affaire au début. Premier rendez-vous, ils nous ont demandé de l'enculer. Deuxième rendez-vous, ils voulaient plus parler avec nous. Et en fait, tu vois, bah moi quand tu me tends ton cul, bah je pense que j'ai à apprendre. Et au fait, au final, à force, bah, c'est pas une histoire de j'ai demandé quelque chose. C'est lui qui est venu me demander et me proposer comme ça. Est-ce que tu veux de l'huile pour que je sois tranquille? J'ai rien demandé, moi. Quoi? Oh là là. Chopper, gros. C'est vraiment la plus grosse des salopes. Hein. Chopper aussi. Parce que moi t'as vu, j'étais content. Je savais pas qu'il y avait de l'huile, moi. Il me demande l'huile. Je me dis, mais putain, incroyable. Je vais prendre l'huile, je vais lui donner. Il va aller sur la weed, je vais avoir un nouveau copain. Ça va être incroyable, mais même pas. Ah non. Je suis encore non, avec non. Vos sales gueules là sur la weed toute la journée. Mais déjà, Seth. On sera jamais dessus. Vos visages grincheux. On sera jamais dessus, Seth. C'est vrai qu'on voit pas trop. T'as pris des vacances ou quoi? Ah, tu connais, hein, on essaye de rentabiliser un peu plus, hein, la weed. Ça rase les murs, hein. Tu parles, il est en train de dans son studio, en train de faire du son, ouais. C'est un genre de business, parce que c'est trop compliqué pour toi, c'est ça? Ah, poteau. T'as un avantage géographique déjà qui est. C'est pas faux, mais c'est la vie. Hors norme. Je boite énorme. Ouais, après, c'est toi et ta chance, hein, j'ai envie de te dire. Mais t'inquiète pas. Ça ne serait tardé. Mais en tout cas, bah écoute, je suis content d'apprendre que mes voisins. Sont. Non, en vrai, on lui a pas tout dit. Sont des gangsters sympathiques. Non, la vérité. C'est vrai qu'il reste le non. meilleur. Non, il n'y a pas tout dit, Allez vous faire foutre, Attends, sérieux. C'est déjà un morceau. T'as vu là, si ce que je t'ai dit là, ça t'a un peu. Enfin. Ouais, la suite, elle est sympa aussi. C'était un peu déçu de. En vrai, t'es vraiment pas prêt du tout. On continue ou pas? Ou tu veux ça pour le deuxième épisode? Vous en prie. Attends. Si on continue, là, si on continue, faut payer, les gars, quand même. On veut un autre la conduite si tu veux la suite. Vas-y, demain peut-être. Bande de bâtards, vas-y. Tu sais quoi, j'ai des knackis si tu veux.
Vas-y, envoie, moi je fais des knackis. Allez, va pour les knackis. Parce qu'il aime bien les knackis. L'info elle coûte pas cher, hein. Putain. Ouais, là, tu sais que c'est la meilleure partie de l'histoire. Ouais, c'est la meilleure partie. C'est quoi, bah vas-y, je lui donne deux knackis alors. Putain, on parle bien enfin avoir deux quartiers. On parle bien de quand ils sont venus me taper chez nous, on est d'accord là, c'est là que ça part. Hein. Ah non, moi je pensais à autre chose encore. Il y a autre chose encore, oui, tu parles de les 100 dollars. Il y a une partie 3, incroyable. Non, c'est encore. Ah non, vas-y, Young. Eh, il y a un moment, on a plus de knackis. Vas-y, les gars, c'est parti. Moi, ce que j'avais en tête, c'est que en plus de cette histoire d'huile, ils nous ont proposé des trucs qui leur appartenaient pas vraiment aussi. Comme quoi? Bah genre par exemple des blocs à vous. Ah oui c'est vrai. C'est pour ça il veut reprendre mes tours aujourd'hui. C'est pour ça chaque fois il joue tes tours, tes tours. J'avais oublié ça, oui c'est vrai. C'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure. Bah ça fait presque 2 semaines, normalement on est censé les récupérer dans pas longtemps. Du coup faut qu'on ait le poulet pour que nous mettons tour aussi. Mais ça c'est autre chose. Ça récupère de chez eux directement, ça ira plus vite en vrai. Non mais ce qu'on va faire, j'ai une meilleure idée les gars, laissez-moi parler, j'ai une idée de fou là, vraiment. Ouais. On va récupérer l'heure de tour et on va les vendre aux Niners, 10 000 dollars chacun. Let's go. Attends, qu'est-ce que tu racontes vendre toi? Donner, ouais. Voilà, parce que là, en fait je t'explique là, et tout ça parce que, bah pour rien. On a rien demandé, ouais. Ouais, non, encore une fois, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on ne leur a rien demandé. Ah, oh, c'est des escorts. Et ils sont assez abusés, hein. On leur a rien demandé. Okay, bah, en fait, ils sont en devoir. Ah, et quand même, non, en vrai de vrai, je t'ai pas tout dit parce que moi, c'est ça que je parlais. Bah, on est sympa, on leur a quand même donné 100$ de weed pour histoire de, tu vois. Alors, 100$ de weed ou 100 de weed? On l'échange. Non, non, 100 de weed, je crois. Ils ont gagné au change là. Non, 100$ de weed, je sais pas. Il a récupéré les 100$ de weed, il a fait. Et encore, de base, on voulait pas le faire, mais on a eu pitié. This is. Et là, on se fausse des putains. Après, pour les récompenser de leurs efforts, les gars. Ouais, c'était pour les récompenser. Fallait qu'on leur caresse la tête quand même un peu. Bon, écoutez, moi je vous propose un truc. Moi je vais leur péter le cul, je vais récupérer ce qu'il y a à récupérer, et ensuite je vous fais la guerre. Et je vous baisse vos grand-mères. Comme ça, on va vous en parler. Tranquille, en gros. Rectification. En gros, c'est le projet. Rectification. Moi là. Et Triga, Curtis, je vous ai pas trop parlé de ça, mais c'est évident, vous savez comment je fonctionne. Non, y a pas de j'attends. Pourquoi je vais attendre? Pourquoi on attendrait? Oui, c'est vrai, non, mais je te dis ça pour rigoler, moi tu vas pas attendre et moi non plus je vais pas attendre. Je vais pas attendre, tu viens pas dans le bon, tu viens pas faire de weed, c'est tout. Enfin, tu vas prendre des coups de cul. Le seul qui a le droit, y'en a qu'un seul. Ça n'a jamais bougé, ça. Y'en a qu'un seul qui a le droit de venir dans le bon, il ou Bico, t'es là ou pas Bico? Ouais. Il a le droit de venir le lundi pour ses cours d'implantation, c'est tout. Enfin, terminé. Et d'ailleurs, avec les bloc là, c'est comment? Bah, on se tire dessus le matin, le midi et le soir. Voilà. Ça change pas 16h. Mais par contre, on a par contre, fais attention à un truc, hein. Maintenant dans le banque c'est taxé, hein. Que ce soit de leur côté ou du nôtre, hein. Donc fais gaffe. Je vois. Ah, en tout cas, les Haitian, vous les taxez pas trop là, quand ils vous driveraient, non? Alors. Vas-y, c'est quoi, tu m'attendais? Vas-y, je crois qu'on a pas les mêmes informations là. Je crois que sujet fâcheux, tu les tiens où tes infos? Qui nous a driveway, nous? Nous on a driveway. Je sais pas si vous avez driveway, mais je sais que vous êtes en grosse embrouille apparemment. Attends, j'ai une galère. Tu la sors d'où ton info là? Ah non, je confonds avec les autres. Ah pardon, j'ai confondu de guignol. Ouais, c'était large block, excuse-moi. Eh, par contre, ne me traite pas de guignol, Mino. Attention. Ouais, on me traite pas de Mino, guignol. Mais sauf que moi je ne suis pas un guignol, tu es un Mino. Ah, mais moi je suis pas un guignol, Mino. Je suis pas un Mino, guignol. Oh là 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 là, t'es pas bon. J'ai niqué la blague. J'ai niqué la blague. Putain. T'es pas bon, t'es pas doué. Enfin bref, non, les Haitians, on est en discussion, mais non, dis-toi, à part les H-Block, parce qu'ils sont aussi fous que nous. On se tire dessus, mais personne a osé poser les couilles sur nous, hein. Personne, et personne ne le fera. Ah ouais, même pas les Wu. Mais personne, les Wu, mais qu'est-ce que les Wu? Les Wu, ils m'ont demandé l'autorisation, ils sont venus, bref. Oh shit, here we go again. Putain, je les avais oubliés, carrément. Personne, y'a personne qui nous fait chier. Non, j'avoue, y'a les Crips qui nous met des bâtons dans les roues quand même, c'est faux. les roues, il les nettoie, t'es fou quoi. Ah ouais, il les nettoie, il les met de la police. Il gonfle les pneus, frère. Ouais. Bref, vas-y, ça marche. Attends, ça a duré. Parlons, sérieux là maintenant. Que tu fumes depuis ça, depuis 2 ans. T'es encore aussi. Je l'ai pas encore allumé. Je vais l'allumer avec eux. T'inquiète pas. Écoute. Là, moi, j'ai un truc à te proposer. Là, tu veux bosser sur la weed ou pas? Tu veux bosser avec la conscience tranquille? J'y bosse déjà. Non, c'est faux. À partir du moment où tu rentres dans le Bronx, t'as peur, tu trembles. On te voit. On est sur nos tours. On a des mecs sur nos tours tout le temps. Si tu savais, Curti, putain. Bah oui, mais je le sais très bien. T'inquiète pas, tu sais très bien. Bref, dis-moi, c'est vrai que c'est encore mieux d'avoir la conscience tranquille. C'est toujours mieux, mais bon. Moi, je reviens toujours. Écoute, moi je te propose un truc. Oh, les Crips, là, ils ont un terrain de basket à côté du tien, là, tu vois? Toujours. Ouais.
Tu veux pas me donner ton terrain de basket, ok? Attends, tu veux pas me donner ton terrain de basket, pas de problème. Eh ben, récupère celui-là des Crips et tu me le donnes. C'est fait. Je l'ai déjà, le terrain des Crips. Ouais. Le problème, c'est que je vais pas te le donner. Pourquoi? Parce que t'as vu, là, en fait, je suis en train de monter mon académie de basket. On va avoir deux équipes, et du coup, les deux, elles ont besoin d'un terrain. Bah, construis ton terrain de basket, je sais pas. C'est un malade. Écoute, c'est juste que... Moi, j'aime bien le coin là-bas, il y a des petites meufs qui sont assez intéressantes et tout, tu vois, vos sœurs. Ah ouais, là, t'es marrant, là. Comprends, c'est pour ça en fait. Si tu es dans le Bronx là, chez nous, c'est que des guerrières, des guerriers. Park, ça... C'est la guerre. Il y a tout le monde qui nous fuit là-bas. Donc c'est pour ça. Middle Park, ça le puceau. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Mais non, c'est chez vous. Moi, je vais du sang de chez nous. Écoute, ça pourra, des ça sœurs, pourra se discuter. Des sœurs, pas, discuter, pas des blanches là. Hein? Écoute, ça peut se discuter. Ça peut se discuter. On verra bien. Moi, je l'ai. Pour le moment, le terrain des Crips. Peut-être, on verra bien. On pourra essayer de trouver un petit compromis. Ça peut être intéressant, effectivement. C'est pour toi, hein, moi je te dis, hein, une fois que t'as ça, tu me donnes ça, t'inquiète pas que dans le Bronx, tu seras tranquille, on va pas te casser les couilles, et tu pourras travailler tranquillement. Je vois. Ok, bah écoute, je garde cette info dans un coin de ma tête et je reviendrai vers vous. Après ça, c'est que Curtis. Je pense que la réponse pour le moment, c'est... Enfin, dans ma tête, hein, pour le moment, c'est va te faire enculer. Après, on verra bien, peut-être que ça peut évoluer avec le temps, on y réfléchit. Encore une fois, ça c'est ce qu'il t'a proposé, mais à tout moment on change d'avis parce que personnellement, moi le terrain de basket, bon. De toute façon, moi aussi, on change d'avis, tu sais, je grandis en ce moment, j'ai les idées qui deviennent de plus en plus différentes, tu vois. Sinon, au pire, c'est une tour de ton bloc. C'est à qui tu me fais penser, Seth, c'est moi qui grandis. Cache, présente-toi auprès d'eux. Moi, salut. Moi, c'est Cache. Qu'est-ce qu'il y a, la Wiss? Comment ça, la Miss? La Wiss. Cache. Ouais, c'est ça, je suis en plein step-up. J'ai 18 ans, mec. Oh ouais, il est plus grand que toi, Seven, la honte. Ouais, donc de respect. J'ai commencé à faire des... Comment on dit ça? Des erreurs. Et maintenant, je suis en train d'être vif. Comme l'éclair. Comme un bibliothécaire. Et maintenant, s'il y a des soucis, c'est à moi qui... T'es pas vif au bingo, en tout cas, là. Putain. Ah ouais, au bingo, tu veux me faire. Tu sais même pas faire tes lacets. Ouais, toi, tu sais même pas mettre ton caleçon. Il est en train de remonter. Non, je le montre. Je montre juste que j'ai mon cul ouvert pour que les gens viennent m'attaquer et que je baisse leur mère. Je te baise en fait, c'est ça. En fait, c'est un appel, c'est pour que vous veniez vers moi, comme ça, bam, et après je vous baise. Exactement. En fait, non, moi je te baise maintenant, devant tous tes gars si tu veux. Oh, il a menti. On va pas rentrer là-dedans, Curti, t'as 45 ans, je peux te casser un os. Là, en tout cas, c'est moi, je vais te casser le cul surtout, mon gars. Moi, je suis pas là-dedans, Curti, personnellement. Ah ouais? Tranquille après, t'inquiète, c'est doux. Ouais, vas-y les gars. Si vous avez besoin de cours, je peux vous apprendre. On se tient au courant et bah grave pas t'appeler. Ouais. Hein. Bah vous passerez un bonjour à votre fiston Malcolm. Minou il m'appelle pour aller sur la Wii donc bon. Quoi? Voilà. Il faut. Allez les gars. Bref, à plus. Sur ce les mecs, à plus tard. Bonne soirée. Oh les floppers. Je retourne dans mon pick-up de fou. Eh comment ça, garder les mêmes voitures, la chatte à votre oncle. Monte là-bas, t'es là, tu parles pour rien, ferme ta gueule. Ferme ta chatte. Je me suis endormi. La tête de... la dinguerie. Le pauvre, il y a une fois sur 42, il se fait péter tout ce qu'il a. J'ai pris 200 et des mecs qui m'ont pété. Ils font quoi? Ah, vous faites quoi? Ah, mais ils font quoi? Arrête-toi, man, arrête-toi. Ils jouent à quoi? Je crois ils ont pas compris. Elle va faire quoi, ta daronne? Il va faire quoi? C'est rien. Vas-y. Oh la bande de pute, quoi. C'est les CRS ici, c'est la BAC Nord. C'est la BAC de Northwood, cassez-vous. C'est la BAC de Northwood là, cassez-vous d'ici. Regarde-toi avec tes lunettes, tu veux pas tourner dans ta tête. Eh oh non, je les étage avec eux. Madame, madame, on est venu vous défendre. Ah, vous jouez à quoi là? Vous voulez que je vous parle, quoi? Tous, vas-y. C'est bon, on s'en occupe, frère. Fils de pute. Comment ça, vous êtes sérieux à foutre la merde ici là? Vas-y. Eh, ta gueule, laisse-moi parler avec lui.
Allez, vas-y, 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 c'est toi et moi maintenant, vas-y. Prends ton cut, je prends mon cut, on s'en occupe. Toi et moi maintenant. Parle à moi, non. Ouais, je parle à toi, ouais. Mais attends, c'est moi que t'allais chercher dans le Clucking Bell, Zarma, je fais des frites, fils de pute. Non, c'est pas toi que j'allais chercher dans le Clucking Bell. Bah, tu sais très bien qui j'allais chercher. Tu sais très bien qui j'allais chercher. Tu vois, t'allais chercher qui? Ah, des Guisto. Tu sais très bien qui j'allais chercher, m'oublie pas, je dis ici. La tête de ma mère, vient dans la ruelle, toi. Viens, 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 viens. Yo, yo, c'est terminé maintenant. Je vais dépaiser ta grand-mère, tu vois. C'est Minter, c'est Minter. C'est Minter. C'est peuple jeune là, c'est entre les grands là. Toi, tu vois quoi. Eh, tiens tes petits sur mes petits. Eh, viens, viens là, viens là, viens là, viens là. Fais le match de gaz, frère. Eh, vous en mêlez pas là, vous en mêlez pas. Eh, va te casser sur la pèse. Viens là, viens là, petite salope là. Viens là. Viens là, je vais te baiser ta mère. Vas-y, avance, avance. Moi, tu me sors une meurtre. Avance ta grand-mère, avance ta grand-mère. Tu me sors ta meurtre. Avance ta grand-mère. Viens là. Cassez-vous. Moi, tu me sors une meurtre. Range-toi. Je vais te baiser ta mère. Vas-y, viens là. Cassez-vous, non. Arrête. Allez, banque, vas-y. Ouais, c'est la mec du Northwood là, je suis côté, s'il vous plaît. Vas-y, vas-y, viens, c'est toi et moi, c'est. Eh, viens là, viens là, je te dis, viens là. Prends tes points, prends tes points. Viens là, j'ai quoi, j'ai mes points là. On va pas en sortir. Prends tes points, je te dis. Malcolm, arrête de faire poteau. Prends tes points. Malcolm, je vais avancer tout seul, vous voyez que je suis con. Eh, Malcolm, je te le dis, il va falloir arrêter de se chier dessus avec tout le monde. Et Duchesne, il va falloir que tu te réveilles aussi, petit enculé. C'est jusqu'à la mort, c'est jusqu'à la mort. Maintenant, tout de suite ce soir, c'est terminé, t'es un homme mort. Attends, t'es un homme question, mort. Petite question, Duchesne, tu cautionnes hein, tout ce qui fait ton pote là. Est-ce que mon plan est terminé? Non. Gasseuse de merde. On est bien d'accord. Ah bah, merci. Vas-y, Duchesne, allez, bute-le. Allez, tue-le. Allez, tue-moi. Viens, je t'attends, moi, j'attends ça. Je te donne l'occasion là, tue-le, vas-y. Ah, vas-y, 7 minutes. Mais vous faites les grands, vous sortez des morts, vous croyez qu'on a pas ça, nous? Arrêtez de faire les grands ici. Oh, je vous ai déjà dit, quand vous faites Malcolm, de la meth, faut pas la consommer, il faut la vendre. Pourquoi il la consomme, le poteau, là? En plus, c'est la plus de bénéfice. C'est vous que dites ça? Vas-y, tu fais quoi, yo? Allez, vas-y. C'est un bouffon, lui. Vas-y, toi, vas-y. Toi, poteau, Malcolm, c'est fini, là, tu vois pas, y'a personne qui t'écoute, t'es fini. Il va à perdre. C'est Asbin. Pas les couilles. Je te jure, tu crains, poteau, tu crains. J'ai juré. Eh, toi, viens là. Tu crois que c'est terminé avec toi? Eh, je te chope par la capuche. Viens là. Viens là. Je vais tuer là maintenant ce soir. Viens tuer. Je te dis, suis mort. Je te demande de me suivre depuis tout à l'heure. T'es mort, petite salope. T'es mort. Suis-moi. Je t'achète, toi. Tu crois que c'est le Viking qui suit, mon gars? Vas-y, suis-moi. Côté, s'il te plaît. Eh, tata, rentre chez toi, s'il te plaît. Rentre chez toi. Madame Grey, faites vos lassos. Eh, vas-y, rentre chez toi. Hein, tu veux pas me répondre? Moi, tu fais comme ça. Je ne veux viens pas là, te Malcolm, répondre. Viens là. Ouais, bah, je vais tuer ton. Madame Grey, sautez. Aidez-la à faire ses lassos, Madame Grey, là. Aïe. Eh, tata, ne t'en occupe pas de ça, c'est bon, je gère. Ouais, tata. Venez, tata, on rentre dans le calme. Ce soir, il calme, lui. Y'a personne qui va mourir ce soir. Déjà hier tu étais mort, deux fois de suite c'est trop. Tu crois que c'est moi qui vais canner? Tu crois que c'est moi qui vais perdre? Tu crois que c'est moi qui vais perdre, hein? Non, personne ne va rien faire. Oh, Duchesne, vas-y, c'est le moment! Yo! Y'a pas de moment, je crois qu'avoir perdu un œil, c'est pas mal comme parce que tu as la plus grosse voix ici que tu ne peux pas écouter les autres quand ils parlent. Déjà tu vas demander aux personnes autour de toi et déjà toi-même tu vas ranger ta hachette. On est où là, ton marteau là? On est où ici? On est devant les Clicking Bell. Les règles sont simples. Le Clicking Bell est le terrain de basket, c'est des terrains neutres. Et c'est valable pour tout le monde ici, vous avez compris? Réponds, fils de pute, laisse-la parler, ferme ta gueule. Il y a plus de zone neutre maintenant. Si, la zone neutre, elle est toujours celle qui a existé. C'était le basket et le Clicking Bell. Point barre. Donc tu ranges. Scotty, qu'est-ce que c'est? C'est rien. C'est mon téléphone. Y'a plus de zone neutre. Oh, tu fais quoi là? Tu crois que je vais m'en empêcher? Elle porte tes courants, va dans la ruelle, non? Tu crois que je vais m'en empêcher? Tout ça, un seul cheveu, c'est Madame Grey, je te bute ici maintenant, même devant elle, je m'en bats les couilles. T'as compris ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je te bute, on me bute, tu me butes, on me bute. Ça marche comme ça.
C'est mieux que ce soit moi qui te bute. Tu vois. Eh poteau, tu dis quoi toi? Tu dis quoi? C'est simple. Va chez toi, mais mets-toi de l'eau sur le visage, je sais pas. Et on va parler toi et moi. Je vais venir te chercher en voiture, on va parler toi. Arrêtez de rentrer dedans, c'est une histoire de grand compris. On va faire les trous du cul. On va aller régler ça plus loin. On va aller régler ça en dehors du quartier. Je veux qu'elle soit là, je veux qu'elle soit là. Elle sera pas là, elle sera pas là. Et t'es là pour quoi même? Crânilis là, on dirait une. Exactement, ça la regarde pas, t'es bien au courant de ça. Faut qu'elle soit là. Elle sera pas là, je te dis, elle sera pas là. Ensemble, que j'ai là, je le serai. Mais j'espère que vous serez calme. Eh les gars, eh les Crips là, reprenez votre alcoolique anonyme, allez lui mettre un verre sur le crâne là. C'est pas de ça. Alcoolique anonyme. Et toi, Saka, je te déconseille de parler, frère, c'est fils de pute. Oh bien, déjà, mon grand chapeau. Tiens, toi déjà, attends, je t'attrape par le cou, toi, viens ici là, viens ici. Viens ici. Eh vas-y, chez là mon gars, lâche-le. Chez là mon gars, Je vais te gifler. Lâche-le, yo. Quoi, tu vas gifler? On va parler toi et moi, ou alors si on parle pas toi et moi maintenant, ah bah vas-y, la prochaine fois que je te vois dans ma rue, je te chute. On parle tout de suite, vas-y. Il s'appelle comment lui? Et moi j'ai un s'appelle Saka, vas-y viens là. Tu parles un petit toi? Regardez, il est fou quoi. Vous allez où? C'est juste Saka. Vas-y, restez là, restez là. Calme-toi. Vas-y. On va parler que lui et moi, tranquille. Viens, on va parler. Juste parler à Saka, je vais juste parler après. Tu parleras à Saka plus tard, tu parleras à Saka. Ferme ta chatte. Pas parler à Saka plus tard. Arrêtez de vous battre, les gars. Tard plus tard. Voilà, y'a papa derrière, y'a papa derrière. Vas-y, allez, viens, on va parler dans le monde. Viens, allez, viens. Ah, ok. Viens. Vas-y, Saka, on gère ça après. Eh, vas-y, venez pas. Vas-y, suivez pas. Oh frère, c'est trop hein, le bordel en fait dans ces scènes là. Parce que y a moyen de faire des trucs de fou, mais c'est trop le bordel parce que tout le monde s'incruste. Hein? C'est ta faute maintenant. Vas-y, viens, on se barre d'ici là, viens, on marche plus loin. Hein? C'est ça? C'est ta faute? Eh, redescends sur terre, je te parlerai pas tant que t'es là, tu dis n'importe quoi là. Redescends, marche, pense à ce que tu viens de faire toute la soirée ces derniers jours. Et on va parler toi et moi. Je m'en bats les couilles du Nesby là, je veux te parler de toi et moi. Hein. T'es ouais, moi aussi, je m'en bats les couilles du Nesby pour cette discussion. Oui, moi aussi, pour cette discussion. Genre, tu vas pas te faire sauver pour cette discussion. Encore heureux. C'est donc ça les Brixton. Hein? Je suis pas un Brixton, moi. Je suis jamais été un Brixton. Eh poto, tu portes mon nom, donc soit tu vas le porter fièrement, soit je vais te baiser ta mère, t'as compris, hein? C'est terminé, je suis plus un Brixton, moi, je suis plus de la MIFA. J'ai plus de la famille, c'est bon, t'as tout gâché, t'es content. T'as tout perdu. Enfin, non, t'as tout gagné et moi j'ai tout perdu. Bravo, félicitations, j'ai plus rien à perdre. T'es content, hein? Moi je faisais tout pour toi. Tout pour toi, je voulais sortir de tout ça. Eh, vas-y, fais pas la conversation là. T'as jamais été mon frère, je te l'ai toujours dit. Maintenant, je te dis une chose. Tu portes mon blaze, c'est une chose. Mais là, t'es en train de faire honte à Northwood. Je te le dis, moi j'ai jamais été avec toi. Vas-y, bah là. Eh, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de réfléchir là. Il a fait quoi Saka? Pourquoi tu le détestes autant? Il a fait quoi Saka? T'es en train de me dire? Il a fait quoi? Ouais, je comprends pas. Les cops, ils sont arrivés. Il est retourné avec toi alors qu'on l'avait. J'avais mon gun sur son épaule. T'es sûr que t'avais son gun sur son épaule? Eh, tu crois quoi? Sur à combien de pourcents? Non, mais j'avais. En fait, je t'explique ce qui se passe. C'est que j'ai rangé mon gun parce que les cops sont arrivés, évidemment. Ouais. Ça n'empêche pas qu'il était avec nous. Qu'il n'a pas hésité une seule seconde. Tranquille, c'est un cramé, y'a rien, moi je m'en bats les couilles. Il était auprès de nous. Il a voulu faire le malin, il a voulu courir. Les choses, elles vont se payer. Je te le dis, les choses, elles vont se payer. Bref, tout ça, c'est le Nesby, vas-y, on s'en bat les couilles. Moi, je te le dis, cette histoire, elle va se régler. Je vais missionner des petits pour qu'ils le soulèvent. C'est des histoires entre petits. Ça devrait pas nous toucher. Il va payer pour son erreur et point. T'as capté? Vas-y. Je m'en bats les couilles, c'est une histoire de petit. Ah la cou. Quoi? Pas culotté quand même. Dégradé, les propres. Bref. Vas-y. Ouais, je porte mon Brixton. Je vais te dire une chose, Malcolm.
Je me suis toujours dit que dans la famille, j'allais être la honte parce que j'étais le petit. Que toi, t'étais plus musclé, plus fort, plus de couilles, plus de tout. Quand on était petit, je me suis dit, c'est lui qui va devenir un vrai Brixton. C'est lui qui va devenir OG, j'ai tout raté. Et tout ça, ce qui m'a fait croire ça, ce qui m'a fait changer mon avis, c'est Keisha. Elle m'a fait devenir plus fort, elle m'a fait évoluer, et papa aussi. Papa, il a toujours cru en moi. Et il a direct repéré qui t'étais. Attends, il y a maman qui m'appelle. Allô ? Allô ? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, maman ? Vous êtes où ? On est, les paires de chaussures éclatées ! J'ai pas venir. Après, ouais, si tu veux, mais pas maintenant. Vous faites attention à vous, hein. T'inquiète pas. Tout le monde vous cherche. T'inquiète pas, vas-y. À toute. Vas-y, donne rendez-vous à maman chez elle, au pire. Elle sait plus. Pas, là, déjà, n'utilise pas le mot maman quand tu parles d'elle. Ouais, c'est vrai. Utilise direct Grace de venir chez elle. T'es capable d'aller la buter, t'es capable d'utiliser son nom pour menacer mes gars. T'es capable de lui faire croire que t'es mort. Espèce de fils de pute, va. Tu joues à quoi? C'est plus ma daronne, elle l'a dit, j'étais plus son fils, yo. Elle vient de me le dire là tout à l'heure. Hey, mais toi, ça t'a pas suffi de pas avoir de père déjà? Ça t'a pas suffi de te faire exclure de Northwood à ton âge? Ça t'a pas suffi que papa il te considère pas? Regarde, là, ta seule famille, t'es en train de la renier. La seule femme que j'aimais plus que tout, elle vient de m'abandonner comme ça. Elle t'a abandonné parce que c'est toi qui as fait une erreur et tu sais très bien que c'est une daronne et que peu importe ce que tu lui feras, tu peux réparer ton erreur et elle peut revenir vers toi. Et comment tu veux que je récupère mon erreur, hein? Comment tu veux que j'arrive pas? Je lui ai fait 400 cadeaux, tout ça. Moi, si je me suis fait passer pour mort, c'est pas pour les ennemis, hein, je m'en bats les couilles de ça. C'est pourquoi? C'est pour toi, pour te réunir, pour qu'on soit réunis. Pour qu'on soit réunis? Ouais. Je vais te dire une chose, Malcolm, ça a fait l'effet inverse. Avant, je me disais que j'étais peut-être incapable de te mettre une balle dans le crâne. Mais tu vois, aujourd'hui, je me dis que ce petit front là, un peu rouge, je poserais bien mon petit canon dessus, tu vois. Je poserais bien mon canon dessus et je mettrais bien une balle là, qui va éclabousser tout le mur, et que tu vas baver dans ta flaque de sang. Mourir. Et si je te tire dessus, c'est très bien que. Eh, j'ai signé pour moi ça, aussi, papa, il est mort. T'as pas signé pour buter ton frère. Par contre, moi, je vais vraiment te buter parce que moi, j'ai vraiment des raisons de te buter. T'es pas mon frère. Ah ouais? Ouais. On l'a jamais. Pas mon frère et tu le seras jamais. Et ça. Tu sais pourquoi on est pas frère? Pourquoi? Parce que toi, t'as une famille, moi j'en ai pas. On n'est pas de la même famille, c'est certain. Ta famille, c'est toi qui as choisi. C'est juste une question de choix, comme d'habitude. C'est une question de choix parce que t'as décidé de renier maman. T'as décidé de faire un coup de pute. T'as décidé même d'essayer de la buter, mais t'as pété un câble ou quoi? T'es là, t'ouvres des corps. T'es en train d'opérer des gens pour te faire des misérables 200$. T'as pété un plomb quoi, fils de pute, va. Ça rapporte un max. J'en ai rien à foutre. C'est un business qui rapporte. Et toute cette thune, je l'ai claqué pour maman. Et je l'ai claqué aussi pour toi. Je voulais qu'on se marre, j'avais un projet pour nous. Tu l'as claqué dans des guns, qu'est-ce que tu me racontes? Tu t'as claqué quoi? J'avais un projet pour nous. C'est ça que je comprends pas. J'avais un projet, t'as tout niqué. T'aurais jamais dû me dire que c'était toi qui l'avais buté. Je me serais barré. Mais maintenant, toi, t'es ma priorité numéro une et j'ai la haine contre toi. J'ai la haine. Hey, ça veut dire quoi, la haine? Ouais, bien sûr, je sais ce que ça veut dire. T'as buté ma femme. Moi, j'ai buté personne de ton entourage. Ah ouais? Ouais. T'as buté personne dans mon entourage? T'as buté ton petit frère? Parce qu'aujourd'hui, t'es plus mon petit frère. Jamais été ton petit. T'es plus mon grand frère, tu veux dire. Ouais, t'as compris, nique ta mère. Non, j'ai pas compris. Et tu sais ce que t'as fait au même passage? J'ai fait quoi? T'as buté Northwood, espèce de trou du cul, va. Je suis au courant, là. J'étais en rendez-vous avec les Niners avant. Ils m'ont tout expliqué, toute l'histoire, pourquoi ça s'est passé comme ça. Ouais, je veux plus de vous. Non. Tu veux plus de toi, surtout. Tu veux vraiment avoir autant de gens sur les côtes? Je veux récupérer mon terrain de basket, c'est tout. Ton terrain de basket, je te l'ai toujours dit, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, je veux de l'argent, mais arrête de poser tes conditions parce que ça, tu vois, tu conditionnes mes gars, foutre la haine, tu vois, ils vont pas te chaîner pour un truc qui les appartient déjà, on est plus en 80. Essaye de comprendre. Je te dis de me ramener un truc qui me rapporte de l'argent. Mais je t'ai proposé. Si t'as rien qui me rapporte de l'argent, rapporte-moi de l'argent directement, non? Tu veux combien, hein? $5,000 pour un terrain de basket? Jamais j'ai claqué $5,000 pour un terrain de basket. Là, c'est. Hey,
qu'il y a plus de queue qu'une belle, il y a plus de moto tant que j'ai pas mon terrain de basket. On va parler de ça après. Moi, non, je te propose qu'on règle ça. Esquive pas le sujet des Niners. Ouais, vas-y. Il leur a proposé de l'huile pour qu'ils te laissent tranquille. Non. Ah bon? Non, enfin, vas-y, si, crois ça, vas-y. Non, dis-moi la vérité alors. Non, c'est pour ça. Tu leur as proposé de me baiser moi? Non, et de baiser mon business, maintenant, ils te baisent. Non, tu leur as proposé de me baiser moi pour qu'ils te laissent tranquille. Absolument pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu m'as braqué pour de l'huile? Toi, je t'ai pas braqué, toi. Non, pourquoi t'as braqué un de mes gars? C'est comme si tu me braquais. De base, je voulais pas récupérer l'huile. Hein. Je voulais pas la récupérer comme ça, mais j'étais obligé. Les conditions ont fait que j'étais obligé. Pourquoi? Mais bref. Pourquoi ils t'ont obligé? Vas-y, explique-moi, vas-y. Vas-y. Y a trop d'embrouilles. Explique. Non, tranquille. J'ai pas commencé à t'expliquer des trucs, parce qu'après, on va commencer à parler. Tu vois, si tu me sors une meurtre comme ça. Tu crois que j'ai pas pris mes sécurités? Vas-y, range la meurtre, tranquille, on continue à parler. Tu veux parler? Je te dis. Explique-moi. Écoute. Je vais t'expliquer. Ce que je suis en train de monter, du coup. C'est bon, tu ranges la meurtre? Je t'écoute, là, vas-y, parle. Le Cluckin Bell, Modo, Northwood, Johnson, tout ça. Y'a que ça qui m'importe dans ma petite vie de merde. Tu vois? Le reste, je m'en bats les couilles. J'ai entendu des bruits de pas là. Les Niners. J'ai un arrangement avec eux. Cet arrangement, je te le dirai pas. Mais n'essaie pas de me forcer à te dire, je le dirai pas. Et t'inquiète pas, tout est prévu. Absolument tout est prévu. Et t'as fait pour eux contre moi? Oui, considère que j'ai taffé pour eux contre tranquille. Toi. Maintenant, regarde, moi j'ai un truc à te proposer. Là, y a pas nos gars, y a pas tes gars, on va éviter nos problèmes. Je l'aime plus, hein. Mais je vais quand même venger l'attaque que Tuerto il a fait envers maman parce qu'il a attaqué maman. Il a pas attaqué mes gars, il a attaqué maman. Si tes gars, ils t'ont pas informé, le truc qu'il a dit avant Drive By, c'est tout puta madré. Ta pute de mère. Il savait que Madaron travaillait au Cluckin Bell. Moi, je te propose quelque chose. On laisse plus respirer, fils de pute. T'as à manger, s'il te plaît. Tu crois que je vais mener des guerres? T'as quoi? Non, j'ai pas. À manger. Oh, le menteur. Oh non, j'ai pas. Ouais, vas-y, c'est bon, tranquille. Donc là, t'es en train d'essayer de me rallier à ta cause? Non, je te rallie pas à ma cause. Je te rallie pas à ma cause. Eh hey, poto, si tu vas aller voir Tuerto, va le voir tout seul, juste... moi je vais le voir. Mais pour mes embrouilles, j'en ai rien. Tuerto, je suis allé rentrer dans son quartier avec mes meurs, t'inquiète pas, on s'en est occupé. Là, je suis pas en guerre avec lui, moi mon taf il a été fait maintenant, c'est toi. Et poto, en fait, explique-moi pourquoi tu veux que je fasse la guerre à ta place. Mais je veux pas que tu fasses la guerre à ma place, je suis en train de te les dire les problèmes qui sont avec Tuerto, ils partent de toi. Moi j'ai aucun problème avec Tuerto, donc va les régler tes embrouilles. Tu crois, moi bah, je vais aller me mettre en guerre avec tous les quartiers pour ta petite gueule? Je m'en bats les couilles. Moi je suis en guerre avec qui tu veux, avec tout le monde. Tu crois que je vais aller me rajouter des embrouilles pour ta sale gueule là? Eh, t'as ouvert ton cul face aux Niners. T'as été capable de braquer des gars à moi pour prendre l'huile de notre père, espèce de fils de pute. L'huile de notre daron. De ton père. C'est pas mon père lui, hein. Il t'a mis au monde, fils de pute. Il a créé une weed révolutionnaire, espèce de trou de balle. Il a créé la weed. Tu leur as donné la recette ou pas? Bien sûr que non, je leur ai pas donné la recette. Je serais pas là mourir pour cette recette. Tu l'auras pas, qu'est-ce que tu crois? C'est pas ton père. Maintenant, quand y a un truc qui te rapporte de l'argent, là, c'est ton père, là, parfois. Fils de pute, va. T'auras pas la recette, y'a que moi qui l'a, parce que c'est moi l'OG. C'est moi qui l'a choisi. Comment vous la rendez hallucinogène? Vas-y, allez, lâche le secret. Je sais pas, c'est quoi? T'auras jamais, tu l'auras jamais, tu taffes même pas sur la Wii, tu sais même pas ce que tu veux. Moi je te dis, les histoires elles auraient pu se régler bien plus tôt. Les histoires elles auraient pu se régler bien plus tôt. Ton terrain de basket, t'as juste à me filer de l'oseille. Et je m'en bats les couilles. Mais tu sais, je te donne son cul, tu le sais très bien. Donc arrête d'être con. Ton cul aux Niners, qu'est-ce qui t'empêcherait de le faire à nous? Oui, j'ai donné mon cul aux Niners si tu veux. Mais tu sais très bien que je te donnerai pas mon cul à toi. Attends.
ça j'ai pris mon gun pour te sécuriser. C'est peut-être l'arme qui va te tuer ce soir là. Bref. Tout ce que j'ai à dire c'est que... T'as ouvert ton cul face aux Niners. Et ça je laisserai pas passer ça, je te le dis. Là t'as fait passer tout Northwood pour des salopes. La guerre tu la veux, je te dis vraiment. Là actuellement ma seule obsession c'est ton cul, je veux ton cul. Je veux ton cul, je veux le bouillard, je veux te faire du mal. C'est ça, donc vivement oui, viens me faire la guerre. Je suis content. Tu crois vraiment que là actuellement j'ai pas qu'une envie, c'est de te niquer ta grand-mère et te buter. T'as essayé de tuer ma daronne, espèce de bâtard. Tu crois vraiment que j'allais être capable de buter maman? Hein? Tu crois que j'allais m'attaquer à maman là directement? Tu crois que j'allais lui mettre un couteau marre? T'allais faire quoi alors avec le King Ben avec un couteau en main? Ça c'était un marteau. Et vas-y. J'allais faire un acte con, j'ai réalisé à chaud. En ce moment j'arrête pas de réagir à chaud, j'allais casser tout. Faut le matos. Attends, j'en appelle. Oh, allô. En fait, t'inquiète. J'arrive pas à faire des... Je t'envoie par message. Je t'envoie par message. Je vais leur donner l'adresse pour qu'ils débarquent tous et qu'ils me pull up, c'est ça? Hey, tu crois que je vais ramener tous mes gars pour toi? Hey, toi et moi, c'est une histoire de famille. Ta seule obsession, tout à l'heure, t'as été capable de ramener quasiment tous les gars de ton quartier, à la frontière, pour essayer de faire quoi que ce soit. Hey, mon quartier, il a la haine contre toi, contre tous tes gars. Maintenant, regarde, je vais te montrer un truc. Non, t'inquiète pas, c'est pas une meurtre. Tu la vois cette balle? C'est quoi? Non. C'est le seul cadeau que Tessa elle m'a fait. La balle de baseball signée par Jeff. Ok. Scotty, je vais te proposer quelque chose. De faire table rase du passé. En ce qui concerne notre famille, pas en ce qui concerne notre business. Je vais te le proposer une dernière fois. On fait table rase du passé, toi et moi, c'est terminé. Toutes ces embrouilles. Lève tes mains, Seth, lève tes mains. Allez, lève tes mains. Lève tes mains, Seth. Ça y est, lève tes mains. C'est une histoire de famille jusqu'au bout. Lève tes mains, Seth. Ouais, je lève mes mains, je lève mes mains. Vas-y, mets-toi contre le mur. Je suis en train de me... Ce soir, c'est ta fin. Ah, je suis en football. Vas-y, carré, vas-y, dis-moi ce que t'as dit. Là. Allez, retourne-toi. Regarde la... Regarde le gars qui t'a buté sa sœur. Tu te rappelles quand tu dis ouais, ta sœur la pute et tout, dans les frontières, tu fais le gars et tout ça. Là, on fait comment maintenant, cette... T'es baisé. Tu te vantes d'avoir buté ma sœur. C'est ouais, enfin le moment. Je vois qu'apparemment, je suis le seul à avoir de la parole dans cette famille. En tout cas, ça fait plaisir à voir. C'est quoi ton derniers mots, qu'est-ce que tu penses du fait que tu travailles pour les Niners, garçon? On n'est pas là pour travailler business. Pour les Niners. On est là pour parler famille. Tu travailles pas pour les Niners, alors pourquoi t'es allé chercher un truc qui m'a... On n'est pas là pour parler famille, business, tout ça. On est là pour parler seulement de ce qui se passe. Tu peux me laisser parler de ce que je veux si c'est certainement mes dernières paroles, espèce de trou de balle. Appelle maman. Face à la mort, tu crois que je vais... Appelle maman. Fais-lui tes adieux. Je vais faire ma salope et ouvrir mon cul. Si je suis face à la mort, j'ai envie de vous dire ce que j'ai envie de vous dire pour une dernière fois. Vas-y, je t'écoute. Donc, qu'est-ce que tu penses du fait que tu travailles avec les Niners pour moi? Je vais te répondre tout simplement à ça. On a eu un deal, il nous a rapporté de l'oseille, on leur a rapporté de l'oseille, tout simplement. Bref. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu penses du fait que toi, qu'est-ce que tu penses que toi, tu t'es... Enfin, qu'est-ce que tu penses du fait que... Toi, tu viens de te faire de l'oseille, mais eux, non. Bah écoute, ils m'ont bat les couilles. Moi, je me suis fait mon bénéfice, il a été lucratif. Eux, s'ils ont pas fait d'oseille, je m'en bats les couilles. C'est pas mon problème. Vas-y, finis de parler. Allez, pointe-lui le gun dessus. Donc là, je viens de te faire gagner de l'oseille, en gros. Pointe-lui le gun dessus, pointe-lui le gun dessus. En quelque sorte, ouais, tu m'as fait gagner de l'oseille, ouais, mais pointe pas le gun dessus. Pointe-lui le gun dessus. Écoute, vas-y, appelle maman, fais tes derniers yeux. Dans le flocon, c'était de la pisse, avec de l'huile d'olive. Je m'en bats les couilles. Ah ouais. Je ferai pas mes adieux à maman. Je m'en bats les couilles. Appelle-la et fais tes adieux. Je ferai pas mes adieux à maman, elle est assez triste comme ça, tu sais très bien comment ça se passe, Malcolm. Bah, je la préviens alors. La préviens pas. Si tu... Hey Malcolm, je te dis une chose, si tu dois me faire disparaître, fais-moi disparaître, mais...
Mêle pas maman dans tout ça, tu sais très bien comment ça se passe. Duchesne, t'as un truc à lui dire avant? Non, d'abord j'ai envie de me défouler. Non, attends. Pour toute la souffrance que tu m'as fait endurer depuis toutes ces années. Je t'ai promis parce que quoi j'avais pas que c'était le tueur. Duchesne, la vraie personne qui a tué Keisha, il se trouve devant toi. C'est Malcolm. C'est toi qui as porté le coup de batte. Parce que t'étais jaloux, Seth. Duchesne, on en revient au même point. Quand on s'est fait drive-by, c'est pas vraiment celui qui a appuyé sur la gâchette qui est le coupable. C'est celui qui a causé cet appui sur la gâchette. Là, c'est encore la même chose. J'aurais jamais tué Keisha, c'était la femme de ma vie. Et peut-être que tu veux pas l'entendre et peut-être que ça t'énerve. Mais moi, je l'aimais, ouais. j'ai tout donné pour elle. Et je suis désolé de te le dire, j'ai tout donné pour elle. Voilà, pour moi, c'est la femme de ma vie. Malcolm m'a voulu l'utiliser. Si ce serait ta femme de sa vie, tu l'insulterais pas. Écoute-moi, Duchesne, écoute-moi. Malcolm, il a voulu utiliser Keisha pour avoir des infos sur moi. Pour c'est m'éloigner faux. De la rue, pour me nuire. C'est et je faux. Te jure que c'est vrai. Et sur la tête de Madame Grace qui m'a dit ça en rendez-vous la dernière fois, on était tous les deux, qu'il sur a utilisé Keisha Grace. Pendant tu tout le temps. Tu peux dire sur la tête de ta mère. Sur la tombe de mon père que c'est vrai. Sur la tombe de mon père que l'autre jour il m'a dit. Et je crois que c'était même devant la tombe de Keisha. Tu pourras même aller lui demander à elle. Il m'a dit devant la tombe de Keisha qu'il l'a utilisé pendant tout ce temps pour avoir c'est des simple, informations sur ça. Duchesne, tu crois qui? Celui qui continue à insulter ta mère, ta femme, ou celui qui depuis le début cherche à la venger? Et maintenant, il y en a l'occasion. Tu cherches allez, à la venger. Appelle la daronne. Malcolm, fais-lui tes adieux, tu veux que je te dise une chose? Tu cherches à la venger parce que tu t'en veux. Tu t'en veux que la raison elle soit de ton j'en côté. Veux de pas m'avoir tu t'en veux pas. Que ce soit ta faute. Moi, pourquoi je continue à l'insulter? Parce que je suis dans le déni et que je me déteste d'avoir fait ça. C'est ça la vérité. Voilà. Je te le dis, Duchesne, j'ai jamais voulu vous le dire. Parce que moi, j'ai pas envie de passer pour une salope devant vos gars, ni devant les miens. La vérité, c'est que moi, je l'insulte. Parce que j'ai envie de me dire que je l'ai tué pour quelque chose, parce que je la détestais. La vérité, c'est que je la détestais pas, et que je l'aimais tellement que j'ai pas pu me contrôler. Et pourquoi Malcolm, il m'en veut? Pourquoi Malcolm, il veut se venger? Parce qu'il se rend compte qu'il a eu tort, et il essaye de se mettre en tête. Qu'il a raison de vouloir la venger, et il essaye de mettre un coupable là-dessus, parce qu'il fuit la vérité. Parce que le vrai coupable, c'est lui. Voilà. Parce que c'est dur dans la vie, ouais, de se rendre compte que le coupable, c'est toi. Est-ce que toi, devant un flic, Duchesne, t'es déjà allé lui dire « Ouais, c'est moi le coupable, c'est moi, j'ai fait ça. » Jamais. Non, mais la vie de ma mère, là, j'en... Arrête d'essayer de me retourner le cerveau, là. Je te retourne pas le cerveau, Duchesne. Vas-y. C'est bon. Oh vas-y, là là, comment j'ai Pinter leur cerveau, voilà. Ah, tu es ma soeur dans tous les cas. Fais pas de conneries, Duchesne, fais pas de conneries. Fais pas de conneries. Vas-y, pointe-le, Duchesne. Duchesne, fais pas de conneries. Je te jure que ça va partir en couille pour rien. Et tout ce que je te dis, c'est la vérité, je l'aimais plus que ma daronne. On est déjà parti en couille. C'est déjà parti en couille. La guerre, elle est déjà déclarée, tu le sais, ça depuis bien longtemps. Duchesne, est-ce que ça va la faire revenir? Ma soeur au cimetière. Ça la fera pas revenir. Vas-y, c'est bon. C'est bon. Est-ce que tu vas en finir avec cette histoire, Duchesne? C'est bon, me tuer, ça la fera pas revenir. C'est alors, bon, ta gueule, on va pas te buter. Mais je te jure, putain de merde. C'est bon, on le tue pas. Mais la vie de ma mère, c'est pour ça. Non, arrête, c'est mon frère, c'est bon, c'est bon. Tous les jours, je pleure. C'est bon, vas-y, rentre au quartier, vas-y, c'est bon. Allez, vas-y, casse-toi vite. Il est sous tes yeux, Duchesne. Rentre. Il est sous tes yeux tous les jours. Je reviens. J'ai l'air d'aller bien, fils de pute, moi. Viens avec moi. Fils de pute, putain. Je vais appeler maman, elle va venir te aider. Lâche-moi, putain. Et tout ça, c'est ta faute, vas-y, lâche-moi, fils de pute. Ta gueule, je vais pas te lâcher. C'est parti beaucoup trop loin, cette histoire. C'est parti beaucoup trop loin. Oh, t'es encore en vie. Oh. Ouais, mais oui, je suis encore en vie, sale bâtard. Vas-y, relève-toi, et t'as pas intérêt à dire que je t'ai aidé, fils de pute. Je réglerai cette histoire plus tard. Vas-y, non, je peux pas le laisser comme ça. Si je rentre blessé au quartier, je suis pas con. Ils vont se venger.
Et je fais pas ça parce que j'ai peur du quartier, je m'en bats les couilles, t'es au quartier, je le pèse. Allô maman, maman, Seth, il va peut-être mourir, je crois. Je crois qu'il va peut-être mourir, maman, je crois qu'il va peut-être mourir. Je sais pas quoi te dire où est-ce que je suis là, je crois qu'il va peut-être canner. Attends, je te rappelle. On est vers où là, putain? On est à Voxit Street là, dans la... à côté de Voxit Street. Voxit Street, hein. Je connais Northwood comme ma poche. Ouais, ouais. Allez, réponds, la vieille, putain de merde, allez! C'est là où allez, j'ai caché mon premier pochon. J'ai jeté le sac à dos quand je me faisais courser. Mais réponds, maman! Fils de pute, moi. Maman, viens toute seule, on est à Voxin Street. Viens tout seul. Si tu viens pas tout seul, je suis mort. Voxin Street, regarde, c'est juste à côté du quartier. Je vais te niquer ta mère, Malcolm. Attends, vas-y, ta gueule, si ta gueule, je me remettras, je vais t'arracher ta grand-mère. Et j'aurai aucune pitié, fils de pute. Ouais, t'auras aucune pitié, d'accord. En attendant, est-ce que t'es à mal? Est-ce que tu vis? Est-ce que tu es encore conscient? Oh. Je crois que c'est à l'arcade. Putain, mais comment on fait l'arcade? C'est que dans les films, ça. Yo, Scotty. Vas-y, non. Pars pas. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça pour moi, fils de pute, va? Parce que je me rends compte qu'on est parti beaucoup trop loin. Oh, regardez le son que j'ai découvert, les frères, comment il est incroyable. T'es mon petit frère, je peux pas te laisser mourir comme ça. Je peux pas te buter, je peux pas te laisser mourir comme ça. Je pars en couille à cause de cette histoire, mais... Pourquoi tu fais ça? T'es mon petit frère. Je t'ai rien demandé, moi, va te faire foutre. Casse-toi d'ici, là. Je peux pas laisser passer ça, je peux pas te laisser caner. J'ai complètement brillé là ces temps-ci. J'ai complètement brillé, t'es mon petit ref. Je suis désolé, je t'ai pas protégé. Tu sais que c'est le responsable, c'est toi. T'es au courant de ça? Mais s'il faut que ce soit moi, ce sera moi. Mais je peux pas te faire de mal, vas-y s'il te plaît, reste en vie. Parce que papa il est mort dans tes bras, ça. Pourquoi tu restes comme ça? Non, vas-y s'il te plaît. S'il te plaît, petit frère, s'il te plaît, arrête de saigner. Mais elle arrive quand l'autre, yo? Je suis désolé, non, relève-toi. C'est quand tu... Vas-y, c'est bon, viens, il t'a mis quelques coups de biche, yo, tu vas te relever. T'as un Brickstone, t'es dur, vous êtes dur, les Brickstone. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Appelle Tessa. Il s'est passé quoi? J'appelle Tessa. T'as mangé de moi, non? Non, je n'ai rien. Oh non, putain. Je sais pas ce qui lui arrive, il saigne de tout le visage là. Attends, je sais qu'il y a un truc qui s'allonge par terre qui est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Essaye de les soigner là, au lieu de rester debout, rien faire. T'es parti en couille, maman. C'est un pute pour visage. C'est parti en couille, il fallait qu'on parte à Los Santos, pourquoi tu m'as pas écouté? Elle ne répond pas. Vas-y, faut le ramener à l'hôpital, mais on est dans son quartier, je peux rien faire moi. J'ai qu'une place dans ma voiture. Eh bah prends-le et barrez-vous. Attends, j'appelle l'autre docteur que je connais. Vas-y, reste fort. Allô madame, au secours, il faut que vous veniez à Voxin Street. Un jeune homme qui est blessé au visage et qui saigne très fort. Tiens, ça donnera de la sophore. V-A-I-X-I-T-E. Serre la fort si tu te sens partir. Serre la fort. Le clicking bell de Northwood. Merci madame. Allez, Scotty, ça va bien se passer. Vous arrive. Connaissez pas l'animation où Jean prête à l'enjeu, c'est incroyable. Je peux pas rester là, je dois me barrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez tous les deux. Je suis sur le ventre et je suis les bras en l'air comme ça. Sur le trottoir. Tu vas faire croire ça à qui tu veux, mais pas moi. Et je l'ai vu, et vas-y, je voulais pas qu'il calme. Allez, file. Allez, Malcolm, va-t'en. Je veux pas le laisser seul. Il n'est pas seul, il est avec sa mère. Hein? J'en pense soin, oui, bien sûr que j'en pense soin. Putain, mais ta mère la pute. Vas-y. Ah, t'es un bon. Bien vu, Chroma. Va-t'en. Attends, mais... Moi. Quoi? Tu m'aimes toujours?
Les excuses d'abord, le reste plus tard. Ouais, je suis désolé, maman, d'avoir été. On n'est pas désolé, on présente tes excuses, mais tu vois bien que ton frère est en train de pisser du sang. Je te présente mes excuses d'avoir été con. Ça se reproduira plus. Tu me dis ça à chaque fois. Mais j'ai arrêté l'alcool, là, en plus. Je fais des efforts. Ben, on voit ce que ça donne. Tu es venu dans mon Clicking Bell pour me menacer. Tu es fou. C'est parce que j'ai câblé, maman. Doucement, Scott. Doucement, Scott. Ne bouge pas. Il m'a dit, c'est... Essaye de t'asseoir. C'est moi qui l'ai bossé. Allez là, les docteurs. Fils de pute, va t'en faire avec l'ennemi. Je te jure, tu vas le payer cher, fils de pute. Va. Bonsoir. Bonsoir, docteur, madame docteur. Ok, la chance parce que je suis pas en service, hein. Excusez-moi, je ne savais pas. Alors, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Je sais pas. Est-ce que vous pouvez reculer, s'il vous plaît, madame Grace? Je recule, oui, je recule. Merci. Ok. C'est passé quoi, madame? Je n'étais pas là, je n'ai pas vu. Ouais, je sais, excusez-moi. Je suis désolée. Bougez pas, ça va aller. Ok. Oh maman. Maman. Ok. Ça lui est déjà arrivé à papa, ça, non? Aïe. De quoi ça? C'est vraiment pas beau. Oui, ça lui est déjà arrivé. Ça va bien se passer. Il a survécu. Bien sûr qu'il a survécu. Vous inquiétez pas, monsieur, c'est rien de bien grave. Alors, je vais survivre. Regarde, madame, tu veux que je te raconte une anecdote? Il y a quelques jours, je me remettais d'une blessure par balle. Ah ouais? C'est qui a tiré? C'est des mecs, ils ont essayé de m'échapper sur une course poursuite. Oh, des fils de pute. Je l'ai prise dans l'épaule gauche. C'est vraiment un endroit où faut pas tirer, c'est ici parce qu'il y a des artères et tout. Et je m'en suis sorti. Le docteur est là. Ok, donc toi t'es un bonhomme. C'est un petit truc. Non, désolé, il y a plus de MS en service. Sortir, okay. Ah non, c'est bon, tes collègues là, ils commencent à me casser les dents. Qu'est-ce qu'il a exactement, docteur? Qu'est-ce que vous voyez? Bah écoutez, je sais pas trop ce qui lui est arrivé. Je crois que ça saigne un peu, mais c'est pas. Ce qui est bizarre, c'est que ça soit autant douloureux en fait. Profond, non? Monsieur? Scotty? Monsieur, vous êtes avec moi? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ok, putain, vous m'avez fait peur, je crois que vous avez perdu connaissance. Est-ce que vous pouvez me dire, vous avez pris un coup, vous êtes tombé, vous... Je tombe. Vas-y, à ton tour. Oui, je sais que c'est à mon tour, mais... Ce n'est pas évident. Vas-y, dis-moi. Oui. Pas doucement. Ah, mon fils. Bon. Allez, il est temps que je l'ai dit. L'enfant qui est... Comment dire? Ce que j'attendais, ce n'était pas celui de Malcolm. Quoi? Non. J'ai pas compris. Keisha. Elle était enceinte quand elle est morte. Je savais ça. Ouais, je sais. Eh bien, ce n'était pas l'enfant de Malcolm. Quoi? Non. C'est l'enfant de qui? Je ne sais pas. Enfin... Enfin, si je sais. Disons que... Disons que Keisha avait fait faire un test de paternité. Et genre avait... que c'est pas dans mon background, ça, wesh. Comme elle avait un doute entre deux personnes... Elle avait pris des cheveux de Malcolm et il s'avère que les tests étaient négatifs. Et puisque ça n'était pas Malcolm, eh bien, ça ne pouvait être que l'autre personne. Et il s'avère que l'autre personne, mon fils, eh bien... C'était toi.
C'est impossible. Écoute, moi je te dis ce que ta sœur m'a raconté. C'est elle qui a fait les tests. Elle était au courant. Une promesse est une promesse. Je t'ai dit que je ne pouvais pas te dire. Je lui ai promis que je ne le dirais pas, mais j'étais garanti que je te dirais mon secret. Et le voici. Ça veut dire que... En plus d'avoir tué Keisha, j'ai tué mon... Tout ça, c'est la faute de Malcolm. Il va falloir admettre un jour, les enfants, que dans cette histoire, dans ces histoires, vous êtes autant responsables l'un que l'autre. Arrêtez de toujours... Arrêtez de toujours tout remettre sur le dos l'un de l'autre. Acceptez votre part de tort. Et pardonnez. C'est aller trop loin déjà. Il en est assez. Pourquoi est-ce que vous ne seriez pas tous dans la même équipe? Johnson et les 306. C'est impossible. Et pourquoi? Vous travaillez avec les mêmes personnes. Parce que vous traitez avec les mêmes personnes. Tu connais pas tout, maman, tu connais pas tout. Papa, il m'a fait jurer que je devais éliminer tout ce qui portait du bleu. Eh bien, si tu transformes le bleu en une autre couleur... Tu sais très bien que papy s'est fait tuer par un Crips. Tu sais très bien tout ce qui s'est passé au quartier, que notre vie elle a été dure à cause d'eux, et que ton Clucking Bell il a mis tellement d'années à ouvrir parce qu'il y avait nos embrouilles. Et tu sais pas aujourd'hui ce qu'ils font, Malcolm et tout, ils font des choses que je pourrais jamais accepter. Et si tu leur montrais le droit chemin, au lieu de les éliminer, éduque-les. Rallie-les à ta cause. Agrandis les 306. Je suis trop jeune. Non, tu n'es pas trop jeune. Les Crips, ils m'écouteront jamais, j'ai que 19 ans. Oui. Et il y a bien les 306 qui t'écoutent. Ça marchera jamais, maman, je te le dis. Et là, je viens d'apprendre que j'ai certainement tué mon enfant, à savoir le prochain OG du quartier. Alors que... Il était même pas encore né. Je te jure que je vais me venger terriblement. Me venger de quoi? Tu n'as pas déjà... Regarde. Mais pourquoi Malcolm? Pourquoi? Parce que c'est lui. C'est lui qui était avec elle pendant que... Il était avec elle pendant que j'étais avec... Et moi je peux comprendre cette Keisha. Il était avec elle. Qu'il... Il était avec elle parce qu'elle voulait... Il voulait des infos sur moi. Il l'a utilisé pour que ce soit sa source d'information sur moi. Pendant 2 ans. Oui, mais elle est tombée amoureuse, il me semble, non? Il me semble qu'elle était amoureuse de vous deux. J'en sais rien. Ça, moi, je le sais. La vérité. Ça, moi, je le sais. Ah, le gosse, il s'est même pas mis prêt. Parce que j'avais parlé avec cette Keisha. Et tu sais très bien comment je peux reconnaître les menteurs. C'est pour ça que quand vous me mentez, je ne dis rien. Du moins, pas tout le temps. Mais je sais quand vous me mentez. J'ai discuté avec cette fille. La vérité, c'est qu'elle était amoureuse de toi et de Malcolm. Et je peux comprendre, parce que je suis votre mère, qu'on peut vous aimer tous les deux. Malheureusement, elle était piégée par cette histoire de renseignement. Elle était redevable, elle savait comment vous vous détestiez l'un et l'autre. C'est exactement ça, Thio. T'as vu toute cette histoire alors que la meuf, elle existe même pas. Voilà. Dinguerie, frère. Elle peut te prendre dans la main du sac. On est contre la puissance des backgrounds. Alors, s'il te plaît. Dans l'histoire, tu vois bien que c'est toujours les personnes qui vous aiment qui payent le prix fort. Soit de leur vie, soit de souffrance. Pense à elles. Aimez-vous. Je n'en sais rien. Faites un effort. Mon frère, c'est ton frère qui m'appelle. Allô, oui. Oui. Je vais bientôt rentrer de l'hôpital. J'arrive. Au moins
pour Snapchat et l'autre pour David. Mmh. Elle, de toute façon, maman, entre de la cocaïne. Ouais, c'est un des gros gâteaux, viens. Je le pardonnerai absolument jamais. Je préfère te le dire maintenant, comme ça je te briserai pas le cœur au moment où tu t'en rendras compte. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je me tue. Tu peux rien faire, maman. Ah putain, c'est pas bien. Tout ça, ça tournait autour de papa. Sauf que papa, il a mis le quartier avant la famille. Je suis trompé de pièce. Ah donc toi, tu vas faire la même chose? Ouais. Donc je n'ai donc aucune importance pour vous. Moi je suis juste là. Si, maman, ça y est, je suis finito moi aussi dans l'histoire, c'est ça. Hein, je vous ai donné la vie, je vous ai nourri, éduqué, logé, nourri, blanchi. Et maintenant que vous êtes grand pour faire la guerre, je te lâcherai jamais. Je te dis juste que c'est pas parce que c'est mon frère que je le pardonnerai plus qu'un autre. Eh bien, si c'était quelqu'un de inconnu, c'était pas mon frère. Il serait mort depuis tellement de temps. J'aurais arraché tous ses doigts, arraché tous ses yeux, arraché toutes ses oreilles. Je l'aurais arraché depuis longtemps. Comment mon petit Scotty est capable d'arracher des yeux, des doigts et des ongles? Maman, j'ai changé. Je suis plus Scotty maintenant, tu le sais très bien. À partir du jour où j'ai vu cette vidéo et que j'ai croisé Keisha, je suis devenu Seth. Je te l'ai déjà dit et je l'ai dit à Malcolm l'autre jour. Et la première fois que j'ai croisé Seth, c'est quand j'ai vu Rouge, quand je les ai vus ensemble. Il n'y a pas de retour en arrière possible. J'ai promis à papa que je deviendrais Seth et que j'arrêterais ce petit Scotty tout fragile. Donc il faut que toi tu me fasses une promesse et que je meure pour que tu la respectes, c'est ça? Non, maman, je t'ai déjà promis des choses et c'est très bien, je suis quelqu'un de parole. Alors promets-moi que tu vas essayer d'arranger les choses. Maman, c'est terminé, c'est trop tard. Non. Tu pourras jamais arranger les choses. Je ne peux pas entendre ça. J'ai pas envie de te mentir, je suis pas comme de la mauvaise volonté, ce n'est pas du mensonge, c'est de la mauvaise volonté. Je peux pas, maman. Je peux pas. Tu n'as pas assez d'ambition alors. Ma vraie ambition, maman, c'est de venger mon père et de tuer venger ton père raté. De quoi? Il est mort d'une maladie. Venger mon père et tuer son fils raté, c'est son plus grand échec. Il me l'a dit. Son plus grand échec est... Et moi, je vais résoudre ça. Et à partir du moment où j'aurai réussi à tuer mon frère, c'est là que je serai le véritable Seth. Le plus grand gangster de tous les États-Unis. Que tu le veuilles ou non, maman, je serai plus jamais Scotty. Attends, il a toujours les mêmes yeux, Scotty. Quand il me regarde là en ce moment même, Scotty, il a toujours les yeux du petit garçon qui me faisait des grands sourires quand il était petit. Qui était heureux de jouer avec son frère. C'est toujours le même que je vois dans ses yeux. Et si tu préfères me dire que ce côté-là est mort, je n'y crois pas. Moi, je vois dans ton âme, à travers tes yeux. Et c'est juste la colère qui t'aveugle. C'est tout. Mais vas-y, soit. Tu as promis à ton père. Vas-y, soit. Le fameux grand Jackson. Très bien. Maman, depuis qu'il est mort, c'est la seule chose qui me fait survivre, c'est la colère. Je te jure que j'ai tellement la haine qu'il soit mort, je voulais mourir avec lui. Mais c'est le seul truc qui me fait survivre, c'est la haine, c'est la colère et si on m'enlève ça, maman, je survivrai pas. Désolé, mais mon père, c'est mon plus grand modèle. Et allez, prends-toi ça, maman.
Pourtant, il n'a jamais rien fait pour vous élever, lui. Il n'était pas là. Mais bon, c'est toujours ceux qui en font le moins qui ont le plus de respect. On ne sait pas pourquoi. Mais maman, je ferai tout pour toi. Non, pas tout. Tu te rends pas compte tout ce que j'ai empêché Malcolm de faire pour que... Hier, j'ai même mis une arme dans sa bouche pour qu'il vienne te dire la vérité qu'il était pas mort. Ça n'a pas fonctionné. On peut pas tout réussir. Tu sais très bien quand il décide quelque chose, ben on peut rien y faire. Mais je fais tout pour que tu sois protégé de tout ça, maman, je te jure. T'es la seule personne qui me reste. À qui je peux faire 100% confiance avec Seven et Tessa. Alors, fais de tout cela mon bonheur. J'essaye, maman, mais... Tu pourras pas faire quelqu'un d'autre... Attends, la phrase, elle est dure. Tu pourras pas faire de toi quelqu'un d'autre, j'ai compris. Exactement. Je le regrette. Non pas que je n'aime pas qui tu es. Mais il y a des décisions que tu veux prendre que je ne cautionne pas. Je vais laisser l'infirmière te soigner. Attends, j'ai plus d'un... Quand tu es prêt, tu viens me voir. Ça marche. Merci, maman.